Bonsoir, bienvenue dans l'émission radio-télévisée La Grande Contradiction sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux différentes notifications de non-conformité à la loi portant charte des partis politiques adressées à plusieurs formations politiques par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les partis politiques concernés n'ont donc pas eu le récépissé provisoire nécessaire pour la poursuite du processus de formalisation de leur résistance, processus au terme duquel ils espéraient l'obtention du certificat de conformité exigé par la Sénat dans les dossiers de candidature pour les élections législatives du 28 avril 2019. Que va-t-il se passer maintenant? Les différents partis politiques qui n'ont pas pu obtenir ces documents pourront-ils participer aux prochaines élections? Comment préserver la paix et la cohésion nationale avec cette nouvelle donne de l'actualité électorale potentiellement génératrice de tensions? Ce sont des préoccupations au cœur de cette émission pour laquelle nous avons sur le plateau central de cette émission pratiquement les représentants des deux camps politiques concernés par la question. Je vous présente Orden Aladatin. Il est membre de la direction exécutive nationale du Parti Union Progressiste. Orden Aladatin, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Abdoulaye Gounou Salifou, membre du bureau exécutif national du Parti Bloc Républicain. Abdoulaye Gounou Salifou, bonsoir. Bonsoir, Yo. Merci de participer à cette émission. En face de vous ce soir, les représentants de l'opposition politique, puisque c'est le camp qui est beaucoup plus concerné par l'actualité dans ce sens. Je présente Constantin Amoussou. Il est membre du parti USL, Union Sociale Libérale. Il est par ailleurs le premier porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Constantin Amoussou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Odio. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Delors Laurent Faton, premier secrétaire national adjoint au numérique du parti FCBE, Force Corrie pour un Bénin émergent. Delors Laurent Faton, bonsoir. Bonsoir à tous. Je précise que vous êtes aussi porte-parole du PIJO, pôle unifié des jeunes de l'opposition. Vous êtes le troisième porte-parole et Constantin Amoussou en est le premier porte-parole. Ce soir, il n'y a pas de représentant pour la société civile, ce n'est pas bien grave. Nous avons les acteurs politiques. Nous pensons qu'avec les acteurs que nous avons sur ce plateau, le débat se fera dans le sens qui vous apportera pleine satisfaction. Le public est présent ce soir, comme c'est le cas toutes les deux semaines, dans le studio mixte radio-télé du groupe de presse La Gazette du Golfe. Messieurs du public, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'applaudir très fort pour vous-même. Je co-présente cette émission avec Alassane Sani, comme d'habitude. Alassane Sani, bonsoir. Bonsoir à vous, Rachid Ojo. Delors Laurent Faton, bonsoir. Le parti FCBE que vous représentez sur ce plateau n'a pas eu le certificat de conformité. Le ministère de l'Intérieur vous a notifié cela. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrangé pour ne pas pouvoir répondre à tout ce qui a été demandé pour être conforme, eh bien, aux dispositions de l'achat des partis politiques? Merci, monsieur Rati Yodio. Merci, monsieur Alassane. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de la radio et de la télévision Golf FM. Vous savez, nous avons tout fait. Le parti FCBE a tout fait pour avoir le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Qu'ils vous souviennent que le 4 février passé, le ministère de l'Intérieur nous a notifié des irrégularités auxquelles il fallait satisfaire. Ces irrégularités, nous les avons tous satisfaites parce que tout ce qui a été demandé, nous avons fait diligence pour retourner au ministère de l'Intérieur toutes ces irrégularités constatées dans notre dossier. Alors, dit qu'a priori, on devrait normalement avoir le certificat de conformité du parti politique FCBE. Mais il se fait que dans la matinée du 21 février, le ministère de l'Intérieur a notifié à notre secrétaire national exécutif qu'il y avait d'autres observations qui ont été faites sur le même dossier. Alors que le même dossier a déjà été apprécié par ce ministère qui nous a fait des observations auxquelles nous avons répondu. Et si vous voyez le courrier qui nous a été envoyé le 21 passé, aucune des anciennes observations n'est revenue. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a reproché aujourd'hui sont des observations nouvelles. C'est-à-dire que rien ne nous concernait normalement. Nous avons fait toutes les observations qui ont été demandées. Et normalement, on devrait nous envoyer le récépissé de conformité
Mais à notre surprise générale, on nous a dit qu'on n'est pas conforme et on nous a notifié d'autres observations auxquelles nous avons répondu dans la soirée du vendredi passé. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que nous n'avons pas répondu à ce qui nous a été reproché. Nous avons fait les choses avec la manière. C'est pour cette raison que le ministère n'a rien trouvé à dire sur ce que nous avions fait par le passé. Aujourd'hui, ils ont demandé d'autres observations et nous avons répondu, on attend la suite pour le lundi prochain. Alors, que se passe-t-il à votre niveau pour qu'à chaque fois le ministère de l'Intérieur ait à vous faire des observations au point même, à un moment donné, de vous notifier la non-conformité à la loi parce qu'il y aurait d'autres insuffisances que comporteraient vos dossiers? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite normalement. A priori, c'est ce qu'on peut dire. Parce qu'aucun des partis politiques, les 10 partis politiques ayant déposé leur dossier, ont reçu tous une notification de non-conformité. C'était ce que tout le monde a reçu. La déclaration, la conférence de presse du ministre le 7 passé a précisé que tous les partis politiques ont reçu une notification de non-conformité. Des observations. Des observations. Ça veut dire que nous n'étions pas les seuls à avoir reçu ces observations. Mais ces observations, nous les avons satisfaites entièrement. Et le ministère, c'est comme si on va au tribunal et on juge la même affaire deux fois. Un ministère qui a mis en place une commission, qui a travaillé et qui a fait des observations et qui nous a renvoyés. On ne comprend pas si, par exemple, on nous disait que les nouvelles observations ont repris les anciennes observations. C'est-à-dire que ce qu'on nous reprochait, si on n'y a pas satisfait, on pourrait nous reprocher quelque chose. Mais on a satisfait tout. Ça veut dire que c'est le ministère qui n'a pas fait son travail. Ils ont mis en place une commission qui était incapable de juger le dossier, d'apprécier le dossier pour qu'on revienne à nous faire d'autres observations ultérieures. Mais quand on tient compte des observations qu'ils nous ont faites par la suite, je dirais que ce sont des arguments fallacieux qui ne tiennent pas debout parce qu'on nous a fait trois observations. Allez-y. Et si vous voyez les observations, elles ne tiennent pas ni dans le fond comme dans la forme. La première observation, on nous a dit que nous n'avons pas signé le PV, qu'on n'a pas signé les statuts et règlements de notre parti politique. Allez lire l'article 16 de la nouvelle charte. On a précisé qu'il faut signer les PV, que les mandataires doivent, trois mandataires du parti, membres fondateurs, mandataires du parti, doivent signer les PV et la lettre de déclaration. Mais personne n'a dit, nulle part dans l'article, qu'il faut signer les PV. Et ce n'est pas mentionné dans les statuts et règlements. Ce n'est pas mentionné dans la charte des partis politiques. Et le ministère sort de ne sait d'où pour dire que notre statut et règlement n'ont pas été signé. Ça n'existait pas. C'est une invention pure et claire que le ministère a trouvé un argument pour pouvoir refuser de nous donner le certificat de conformité. Un autre argument. On dit que les membres fondateurs que nous avons déclarés à la Constitution au moment du congrès de constitution de notre parti à Parakou en février ne sont pas conformes au nombre que nous avons déclaré au congrès de conformité. Parce que vous souvenez, le congrès constitutif a eu lieu les 10 et 11 février à Parakou. Et le congrès de conformité a eu lieu le 29 décembre à Calavi. Comment peut-on comprendre qu'un parti qui était né à une époque donnée, avec une charte donnée, une charte qui donnait obligation à tous les partis politiques d'avoir au moins 10 membres fondateurs par département. On en avait 12, ça veut dire qu'on devait avoir 120 membres fondateurs au moins. Mais nous, dans notre dossier, nous avions 280 membres fondateurs. Et c'était l'ancienne charte qui était en vigueur au moment où nous étions allés en congrès. Et c'est sur cette base que le ministère nous a donné un récépissé provisoire qui nous a conduit à aller faire la déclaration au journal officiel. Ça veut dire que sur le plan légal, nous existons en tant que parti politique parce qu'étant conforme à l'ancienne charte. Mais la nouvelle loi du 17 septembre 2018 a changé les donnes et a dit désormais il faut avoir 15 membres par commune. Alors, si hier on avait 10 membres par département et qu'aujourd'hui on a 15 membres par commune, souffrez quand même que le nombre des membres fondateurs puisse changer d'une époque à une autre. Parce que si hier c'était 120 qu'il fallait avoir, aujourd'hui il faut faire les 15 fois 77 communes que nous avons au Bénin. Et le ministère nous dit que nous avons déclaré plus de 1500 membres fondateurs, ce qui est d'abord inexact. On n'a jamais dit au ministère qu'on avait 1500. On a dit dans notre correspondance que nous avons plus de 1115 membres fondateurs, ce qui répond à la nouvelle charte des partis politiques. Et le ministère sort un argument pour dire qu'il n'y a pas conformité entre les membres fondateurs au départ et les membres fondateurs à l'arrivée aujourd'hui. Alors que nous n'avons plus les mêmes dispositifs légaux.
La charte a changé. Les données ont changé, on ne peut pas avoir. Et les congrès n'ont pas eu lieu le même jour. Le congrès a eu lieu en février, l'autre est venu avoir lieu en décembre. Et on nous dit qu'il faut avoir les mêmes membres fondateurs. Je ne comprends pas, je ne sais pas d'où cet argument vient. Ça ne vient de nulle part. Mais comme nous sommes dans un système démocratique, et nous ne voulons jamais qu'on nous dise que nous avons fait la politique de la chaise vide, nous avons convoqué un congrès extraordinaire le vendredi passé. Et nous nous sommes conformés et nous avons stipulé clairement au ministère que ce changement au niveau des membres fondateurs est conforme à la nouvelle charte et qu'il faut en tenir compte. Il y a une troisième observation que le ministère a eu à nous faire. La troisième observation que le ministère nous a faite concernait, excusez-moi, il a fait un, deux. La troisième observation que le ministère nous a faite était pratiquement dans la même logique. Je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il faut que je me rappelle la troisième observation. C'est la même logique. Et si vous souvenez bien, la première observation ne tenait en rien debout. La seconde aussi ne tenait pas. Et ces arguments, pourquoi le ministère ne les avait pas fait au début? Et aujourd'hui, parce que nous sommes tous contraints par un temps qui court. Le ministère, sachant bien que dans la nuit du 28 février, il faudra que tous les partis politiques déposent... 26 février. 26 février, déposent les déclarations de candidature à la Sénat. Et de toutes pièces, la Cour constitutionnelle avec la Sénat ont inventé une nouvelle pièce qui n'existe nulle part, qui est le certificat de conformité, qui n'existe nulle part, qui n'existe dans aucun national juridique ou constitutionnel du Bénin. C'est une invention alors qu'on ne peut même pas inventer une pièce constitutive de déclaration de dossier. On a dit d'accord, comme ils l'ont inventé et qu'ils veulent nous pousser à ne pas participer aux jeux politiques, nous allons participer aux jeux politiques avec le passé. Il n'est pas question qu'on nous exclue. Dans cette logique, tous les arguments évoqués par le ministère, qui sont des arguments fallacieux, qui ne tiennent pas debout, nous avons dit nous allons nous conformer et répondre valablement. Ce que nous avons fait le vendredi passé, nous attendons depuis ferme le ministère qui nous donne encore un certificat de non-conformité et la suite nous verrons. Alors, si vous jugez vous-même fallacieux les arguments sur la base desquels le ministère de l'Intérieur a refusé de vous délivrer le récépissé provisoire ou vous a notifié la non-conformité de vos dossiers à la loi portant charte des partis politiques, qu'est-ce que vous espérez finalement? Si les arguments sont fallacieux, ça suppose qu'on pourra vous retourner vos dossiers une nouvelle fois? Que personne ne se leurre. Nous sommes dans un jeu politique. Et la politique de la chaise vide, il ne faut jamais la faire. Nous ne la ferons pas. Parce que d'aucuns diront que nous sommes en train de faire de la diversion. Et qu'on nous a fait des observations que nous n'avons pas répondu. Ces observations, on les a prises en compte, on a répondu. Si on ne répondait pas et qu'on agissait autrement, les gens diront que nous ne sommes pas démocratiques et que nous cherchons de la diversion. Que nous ne sommes pas prêts pour le combat. Nous sommes prêts. Nous avons répondu à toutes ces observations. Pourquoi demain, on ne nous dise pas que nous sommes des gens qui fuient le combat? Nous ne fuirons pas le combat. Nous sommes prêts pour le combat. Et depuis longtemps. Alors, Ordène Aladati, vous avez suivi dès lors Laurent Faton par rapport aux motifs qui fondent la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas délivrer le récépissé provisoire ou le certificat de conformité pour l'instant au parti FCBE. Vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur, vous êtes membre d'un parti politique de la majorité, donc vous soutenez le gouvernement. Alors, comment comprendre qu'une première fois, le ministère de l'Intérieur a fait des observations à des partis politiques et qu'au moment maintenant de donner satisfaction à ces partis politiques, le ministère revienne avec de nouvelles observations? Ensuite, que pensez-vous de son appréciation des motifs contenus dans la correspondance du ministère de l'Intérieur? Il parle d'arguments fallacieux parce que le ministère de l'Intérieur leur reproche de n'avoir pas fait signer les statuts et les règlements, alors que la loi a prévu plutôt que l'on signe les procès-verbaux. Il ne comprend pas pourquoi on s'étonne que la liste des membres fondateurs produite en décembre 2018 soit différente de celle produite en février 2018. Merci beaucoup, Monsieur Joe. Ça me peine énormément ce qui arrive là, parce que c'est de notre démocratie qu'il est question. Par rapport à d'autres sujets, j'ai souvent entendu et vu les acteurs de l'opposition jeter l'opprobre sur notre démocratie. Je pense qu'ils ont trouvé d'autres moyens de le faire par rapport à ce qui arrive là. C'est pour qu'on n'ait pas ce genre de situation que nous autres, au lendemain du vote de la loi, pour ce qui nous concerne à l'Union progressiste, nous nous sommes mis à la tâche. Moi, j'étais dans un parti politique qu'on appelle Alternative citoyenne. Très vite,
nous avons réuni l'instance de notre parti qui était chargée donc de prononcer la dissolution ou la fusion en attendant. Donc, dans le cas d'espèce, c'était la fusion. Nous nous sommes réunis à Abomey pour décider de la fusion de notre parti avec un ensemble d'autres partis politiques dans la perspective de la création d'un parti plus fort. Le processus a continué et nous sommes allés au congrès le 1er décembre, et vous avez tous vu. Mais pour ne pas être pris de court, nous avons demandé à tous nos militants qui désiraient être membres fondateurs du nouveau parti à naître d'avoir à produire toutes leurs pièces telles qu'exigées par la nouvelle charte des partis politiques. Ça a flué de partout. Les gens sont venus déposer leur dossier de membres fondateurs. Nous en avons reçu 10 000 dossiers de membres fondateurs. C'est pour ça qu'à notre congrès, vous n'avez pas vu des bus déployés. Des gens ont pris leur moto, ils sont venus à pied et ils ont rempli la salle. Il y avait plein de gens dehors. Naturellement, au lendemain, c'est pourquoi au lendemain, parce qu'on sait quand on vous va au congrès au Bénin, c'est au lendemain que vous courez derrière les militants pour rassembler les dossiers. Et les militants vont vous dire, je n'ai pas pu faire le casier judiciaire. C'est pour éviter tout ça que nous avons pris ces mesures-là pour ne pas être pris de court. Puisque nous avons voté une loi et nous savions que en avril, au début mai ou plus tard, nous irons aux élections législatives. C'est ce que nous avons fait. Et puis nous avons réuni des équipes qui ont veillé pour serrer les dossiers. 10 000 dossiers, ce n'est pas évident, il ne fallait pas tout remettre. On a serré et malgré cela, nous avons reçu plus de 30 de pages de notification. Un certificat de résidence qui ne porte pas le bon nom, quelqu'un qui s'appelle Kossi, sur le certificat de résidence, on lui met Kossi plus Kodjo, et tout ça. Et pour une première fois, nous avons vu qu'un travail fouillé, et vous demandez aux amis, ils vont vous dire, de sortir leur notification, peut-être la première, c'est un travail méticuleux, virgule par virgule. Vous avez fait ceci, vous ne devriez pas. Votre prénom a tel cela, il y a eu de la surcharge ici. C'est un travail efficace, extraordinaire, pour une première fois au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous sommes pliés en quatre pour répondre aux notifications que nous sommes allés déposer. Parce que nous savions que nous étions dans une course contre la montre. Malheureusement, ce qui est arrivé, ça se comprend. Parce que depuis le vote de la loi, mais l'opposition n'a pas arrêté de tirer à boulet rouge une loi déjà votée par une majorité. Ils n'ont jamais été d'accord avec le contenu de cette loi-là. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec un contenu et que vous croyez dans votre subconscient, vous croyez que vous êtes dans une bulle et que vous croyez qu'en gesticulant, ça suffit pour ne pas faire appliquer la loi, naturellement, vous êtes groggy après, quand vient le moment de la faire appliquer. Et c'est ce qui est arrivé, ce que je crois. Donc, quand il a dit que des argusites, ce ne serait pas vrai, ils n'ont pas pris le temps de faire les choses telles que cela se doit. Ce qu'il dit là, et je pense qu'il s'écoute, et je le remercie pour son honnêteté par rapport à ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi quand les gens disent non, on veut écarter l'opposition, on veut nous exclure, j'ai dit, qu'est-ce qu'on vous reproche? Parce qu'on a dit que le ministère peut donner le récépissé, le ministère peut ne pas donner le récépissé. Mais si le ministère refuse de donner le récépissé, il faut un avis motivé. L'avis motivé est là. Chers amis, vous avez été tous membres des associations au Bénin. Un membre fondateur ne varie pas sur le temps. Vous avez une association. Le parti politique, c'est une association politique, hein? Et les associations politiques viennent de la loi 1901, tout le monde sait. Tout le monde sait que si vous êtes membre fondateur d'une association, vous avez obligation de signer les textes fondamentaux. Ce n'est pas la charte qui va venir donner ces détails-là. C'est une association, vous allez à un congrès constitutif. Si vous ne signez pas les actes fondamentaux et qu'une seule personne se lève pour attaquer, la justice va lui donner raison. Parce que vous pouvez dire que oui, en tant que membre fondateur, vous signez les actes fondamentaux, statut, règlement intérieur. Et si vous êtes 10 000 comme nous, il peut y avoir 10 000 signatures sur des statuts, il n'y a pas assez de pages, vous donnez mandat. C'est des questions basiques. Et vous avez des professeurs de droit parmi vous. Il faut le faire. C'est que je pense que nos amis ont cru que nous sommes dans la même légèreté que par le passé. Et ils ont pris les choses à la légère. Nous avons monté des équipes.
Et le président de notre présidium, regardez son âge, le président Amoussou, il a fait des nuits blanches à notre siège pour veiller à ce que, malgré cela, nous avons eu des notifications. Mais des notifications purement administratives. Je vais lui dire que parce que quand ce travail a été fait, vous savez, à l'une de nos réunions, j'ai rencontré certains amis qui travaillent au ministère de l'Intérieur. J'ai dit, mais vous avez fait un travail fouillé. Comment vous avez fait? Ils ont dit oui, ils ont mis en place des commissions. Il y a une commission administrative pour faire l'étude des pièces administratives. Ils ont une autre commission juridique pour voir le contenu de nos dossiers du point de vue du droit. Ce que le ministère de l'Intérieur a fait. J'ai fouillé, on m'a dit cela. Quand on a dit que certains partis n'ont pas eu le récépissé, j'ai dit quelles sont les motivations, j'ai cherché à voir. Heureusement, ça a circulé sur les réseaux et l'ami vient de dire ce qu'on reproche au FCBE. Vous avez des membres fondateurs, vous avez dit vous avez fait un premier congrès les 10 et 11 février. 2018. Vous avez des membres fondateurs. Ces membres fondateurs, comment peuvent-ils changer si vous ne faites pas une refondation de votre parti? Ils ne peuvent pas changer. Les membres fondateurs ne se changent pas au gré du temps. Vous avez des membres fondateurs, c'est les membres fondateurs qui ont participé à votre congrès constitutif. Et eux-mêmes, leur statut dit qu'on ne peut pas changer en cours dernier, en cours de vie, les membres fondateurs. Que les membres fondateurs sont seuls ceux qui ont créé le parti. Et par quelle alchimie donc, on dit qu'on va remplacer les membres fondateurs. Ça n'a pas de sens en droit. Et nous sommes en droit. Alors voilà, donc quand il dit que c'est des arguties, je dis au moins il a sorti cet argument, donnez ça à tous les juristes du monde, ils vont vous dire que ce n'est pas vrai. Ils ont fait preuve de légèreté et malheureusement ça les rattrape. Oui, et si vous permettez, comment vous comprenez le fait que le ministère de l'Intérieur fasse une première observation sans tenir compte des insuffisances contenues dans le dossier, que c'est au moment où il faut prendre la décision? Moi je pense que tout le monde a reçu des notifications administratives. C'est la question qu'il pose là, c'est la question de fond et de droit. Mais je ne peux pas aller plus loin puisque je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, mais je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que le ministère de l'Intérieur, qui a opté pour une démarche pour ce qui concerne le traitement administratif des dossiers, n'ait pas opté pour la même démarche lorsqu'il s'agit du traitement juridique des dossiers? Je pense que c'est la même démarche qu'il faut requérir du ministère de l'Intérieur, c'est que ce soit une démarche équitable vis-à-vis de tout le monde. C'est ce que nous avons eu, nous. Et je pense que c'est ce qu'ils ont reçu aussi. Je ne sais pas à travers combien de pages, mais nous avons reçu plus d'une trentaine de pages de notifications. Voilà nos notifications, j'ai fait copie. Une trentaine de pages de notifications. Pour les observations administratives. Pour les observations. Bon, c'est, pourquoi voilà. Le ministère n'a pas fait pareil voilà. Pour les observations d'autres juridiques? Vous savez, mais le ministère n'est pas un conseiller des partis. Ce que je dis par rapport aux membres fondateurs, là, est-ce qu'il revient à un ministère d'attirer l'attention sur ça? Un parti qui veut briguer, qui veut aspirer, diriger ce pays, doit faire preuve de responsabilité, de rigueur. Donc le ministère, à mon avis, n'est pas le conseiller de quelqu'un. Le ministère, même pendant les premières notifications, aurait pu étudier simplement le dossier et dire que vous n'êtes pas conforme et le notifier, non? Et motiver. Je pense que le ministère même a voulu nous aider parce que la première lettre de notification, si vous voyez très bien, cette note-là fait des observations que nous avons essayé de régler. Est-ce que vous voyez? Je ne pense même pas que le ministère soit obligé. Vous envoyez un dossier, le ministère étudie le dossier, dit que vous n'êtes pas conforme. Motive, vous reprenez, le ministère a 2 mois, étudie, et puis après, vous reprenez, c'est tout un processus. Ce qui fait le problème aujourd'hui, c'est que nous avons les échéances électorales à proximité. Sinon, c'est 2 démarches isolées. C'est une procédure de fait. Mais maintenant, je vais finir avec ça, la question de la conformité. J'ai suivi aussi leur sortie à Zalaï, je crois. Il y a un amalgame terrible de ce point de vue. La loi dit les conditions qu'il faut pour être un parti politique au Bénin. La procédure est connue. Quand vous finissez la procédure et que vous avez le récépissé provisoire, vous prenez le récépissé provisoire, vous allez au journal officiel pour la publication, vous revenez avec 2 exemplaires et vous avez le récépissé définitif. C'est ce que dit la loi. Et par ailleurs, l'article 56 dit les anciens partis qui existent ont 6 mois pour se conformer. D'accord? Et au-delà de ce délai de 6 mois, il y a forclusion. Si vous ne le faites pas, vous n'existez plus, vous perdez votre identité, votre statut juridique.
C'est ce que la loi dit. Mais comment on fait pour se conformer? La loi n'a pas été... Il y a eu du silence là-dessus. Ce qui se serait passé, c'est ceci. Moi, nouveau parti, créé le 1er décembre. Donc, après le 17 septembre, date de la promulgation de la charte des partis politiques. Si j'ai un récépissé, la Sénat ne va pas me poser des questions sur mon récépissé. Parce que c'est un récépissé nouveau. On n'a pas pu me donner ce récépissé-là si je ne suis pas à jour. Mais le parti FCBE ou le parti USL, qui existe avant la date de la promulgation de la charte des partis politiques, comment la Sénat fait-elle pour savoir que ces partis-là se sont conformés? Et c'est à ce vide que la Cour constitutionnelle, donc, a anticipé, a voulu répondre en disant. Donc, ces anciens partis politiques, d'accord, qui, entre-temps, ont fait les formalités, ce que vous avez envoyé, parce qu'ils ont demandé d'envoyer une lettre de conformité, mais ça va être sanctionné par quoi? Si ce n'est sanctionné par rien du tout, ils avaient déjà un récépissé. Et leur parti continue d'exister. On dit donc, produisez un certificat de conformité. Et quand certains membres de l'opposition disent non, qu'ils voient par qui, ils cherchent par quelle alchimie. Nous, notre parti, c'est-à-dire le Bloc républicain, et puis l'Union progressiste auraient des certificats de conformité. Mais ils ont raison, mais nous, on n'a jamais demandé à avoir des certificats de conformité. Hein. On a demandé à avoir des récépissés. Et je pense que c'est là, on l'a. Merci. Ordène Aladati, avant de donner la parole à Constantin Amoussou, qui va essayer de nous dire ce qui est reproché à l'USL, comment ça peut s'expliquer que des partis de l'opposition aujourd'hui soient victimes des imprécisions d'une loi, parce que vous avez dit que la loi n'a pas précisé comment est-ce que la mise en conformité s'opère. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs partis politiques sont victimes de cette imprécision. Ils sont victimes de rien du tout. Ils sont victimes de rien du tout. Si la Cour n'avait pas rendu sa démission, c'est au moment c'est au moment de déposer les dossiers à la Sénat que peut-être la Sénat va inventer un mécanisme pour savoir si les partis anciens sont conformes ou pas. C'est pour suppléer à ce que la Cour... Personne n'est victime de rien du tout. Et c'est tant mieux que la Cour ait précisé. C'est le fait de ne s'être pas conformé malgré la décision de la Cour qui est le problème aujourd'hui. Constantin Amoussou, membre du parti USL, Union sociale libérale, vous avez eu pratiquement les mêmes problèmes avec le ministère de l'Intérieur, même si les motifs ne sont pas les mêmes. Dans la correspondance que vous avez reçue du ministre Sekalafia, qui vous a notifié la non-conformité de vos dossiers à la nouvelle charte des partis politiques, quelles sont les insuffisances contenues dans vos dossiers, selon le ministre? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Merci bien, monsieur Odio. Il me plaît, en commençant, de saluer nos compatriotes téléspectateurs, saluer le plateau, remercier Golf TV pour le travail que vous abattez là-dessus, rappeler que je suis très heureux d'être sur ce plateau en face de monsieur Ordène Aladati, parce qu'il y a à peu près un an, lorsque les préparatifs dans le cadre de ce qui est devenu la charte des partis politiques se faisaient, j'ai observé une chose sur laquelle il a eu l'obligation de s'exprimer. J'ai observé que ce qui se concevait, d'abord sous la bannière du projet avorté de révision 2 de la Constitution, et ensuite sous la bannière de la nouvelle charte des partis politiques, c'est un parti unique déguisé. C'est le retour déguisé au parti unique. Et M. Ordène Aladati, qui dans une autre vie fut homme de théâtre, ce qui veut dire qu'il est un excellent metteur en scène et probablement un excellent comédien, mais je voudrais dire plus que ça, ajouter qu'il est surtout un homme de mémoire, devrait se rappeler par mémoire que là-dessus il s'est exprimé et qu'il a dit que cela ne se pouvait pas, et surtout en rappelant qu'un parti comme celui qui serait fondé par M. Sébastien Adjavon ne pouvait en aucun cas être écarté de la vie politique dans notre pays. Nous en sommes là aujourd'hui. Je voudrais bien qu'il puisse se rappeler. Et là-dessus, observez ceci. Vous rappellerez, et il faut interroger parfois au-delà de la lettre des choses, leur esprit. Dans les prémices de ce qui va devenir plus tard la charte des partis politiques dans notre pays, la nouvelle charte des partis politiques, M. Ordène Aladati et ses collègues ont eu l'obligation d'avoir mentionné que pour l'enregistrement des partis politiques, désormais, il faudra se référer
à une agence qui serait placée à la présidence de la République. J'ai dit au début, ils ont prévu que pour que les partis politiques soient reconnus, il faut qu'ils s'adressent à une agence qui va être... Agence d'enregistrement et de suivi des partis politiques. Exactement. Qui sera sous le contrôle du président de la République. Cela a donné lieu à beaucoup de tollés. Vous vous rappelez? Beaucoup de tollés. Et comme si, par magie, on a voulu déplacer la situation, non pas dans son fond, mais simplement géographiquement, on a déplacé la question, oui, de façon géographique, en faisant 50 mètres linéaires entre la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur, juste à côté. Et on a su en le faisant que, dans le fond, on ne touchait à rien, parce que le ministère de l'Intérieur restait bien tenu par le président de la République et qu'il continuerait d'agir exactement comme si l'agence était sous la présidence du chef de l'État et qu'elle devrait agir en écoutant et en agissant selon que le chef de l'État voulait que cela se fasse. Et regardez, M. Odin Adati a eu l'obligation de ne pas rappeler que tout ce qui se fait, c'est fait sous la bannière du vice-président de son parti politique, qui est en même temps le ministre de l'Intérieur, chargé de délivrer le récépissé à son propre parti. Que M. Saka Lafia, qui est le ministre de l'Intérieur, chargé de délivrer le récépissé et les certificats de conformité, se trouve être en même temps le vice-président du parti de M. Odin Adati et que cela pourrait ne pas être un fait important à prendre en considération dans l'analyse des éléments du dossier. Et enfin, sur nous et sur l'Union sociale libérale, pour observer deux choses. On dit, je crois que les deux honorables députés que j'ai en face de moi, en plus d'être des gens qui éditent la loi, parce qu'ils sont députés, faits pour cela, élus pour cela, sont aussi des hommes de droit, au moins d'une certaine façon. Et que là-dessus, ils savent très bien que ce que l'on appelle une condamnation, une peine infamante, une condamnation à une peine infamante, c'est une condamnation qui a fini de passer par tous les degrés et qui ne souffrait plus d'une possibilité de recours. Que dans le cas d'espèce, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le vice-président du parti de M. Odin Adati, reprochait au parti de M. Sébastien Adjavon d'avoir eu comme président d'honneur M. Sébastien Adjavon qui serait frappé par une peine infamante, alors que l'un et l'autre de tous ceux qui sont en face de moi, et même l'ensemble des Béninois, et surtout les hommes de droit, sont en état de savoir que lorsque vous êtes frappé par une peine et que cela fait l'objet de recours tout à la fois au niveau interne et au niveau international, il n'y a pas lieu de considérer que vous êtes sous une peine et donc que vous n'êtes pas qualifié à jouer une fonction politique. Deuxièmement, rappelez que cela est autant si évident que même l'administration judiciaire béninoise a quand même bien délivré en janvier 2019, cette année-ci, il y a à peu près un mois, un casier judiciaire vierge, à M. Sébastien Adjavon, signifiant par ce fait-là même qu'il n'était frappé par aucune peine infamante. Je pense que nous pouvons déjà nous arrêter là et savoir que là-dessus, M. Saka Lafia a fait de la médisance, qu'il a sali la réputation de M. Sébastien Adjavon et que là-dessus, il sera en état de le faire poursuivre. Mais là, c'est une autre affaire et nous y reviendrons. Sur le deuxième élément, qu'il a été souligné que le parti a procédé à la modification ou au complément des membres fondateurs. Mais deux choses. Mais enfin, nous avons une formation politique qui est née sous la bannière d'une loi qui dit qu'il faut être 15, il faut être 10 par département. Et la loi a indiqué, les autorités administratives ont indiqué que l'on pouvait procéder à la mise en conformité. Elles n'ont jamais dit les autorités. La loi n'a jamais dit que la mise en conformité devrait signifier que l'on procède à la dissolution préalable des partis politiques. Parce que la dissolution, ce n'est pas la mise en conformité. On dissout pour en créer un autre. Et donc, si ce qui avait été possible, c'était uniquement la dissolution préalable des partis politiques avant la création d'un autre parti politique, on n'aurait pas pu parler de mise en conformité. Et c'est d'autant important, évident, qu'il ne m'a pas semblé que nous ayons entendu dire que le PRD a été dissous. Ou alors, vous l'aviez entendu. Nulle part, M. Abdoulaye Gounou, vous n'avez entendu dire que le PRD a été dissous. M. Odin Adati ne m'a pas dit avoir entendu dire à leur congrès que le PRD a été dissous. Et cependant, le PRD qui est exactement sous le même régime que tous les partis qui existaient avant a pu avoir son certificat de conformité. Ce qui suppose que son récépissé provisoire, l'un ou l'autre, ce qui suppose qu'il a dû produire
1155 membres fondateurs, différents du nombre de membres fondateurs que le parti avait en se créant en 1990. Différents du nombre de membres fondateurs qu'il pouvait y avoir sous la bannière de la loi de 2003. Et donc au moins observer que là-dessus, au moins entre le PRD et l'USL, il y a eu une différence de traitement pour une situation identique. Or, ce qui lie le PRD au parti de Ordène Adatine et au parti de M. Gounou Abdoulaye, le parti républicain, c'est qu'ils sont tous un même et unique camp. De façon si claire qu'à la fin, on conçoit que l'idée principale demeure la même, retourner au parti unique, rien que le parti du chef de l'État. Et c'est là justement que nous sommes en train d'aller. Et donc finalement, l'Union sociale libérale, et je pourrais ajouter les forces Corée.Bénin émergent, et même restaurer l'espoir, n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont à se reprocher que d'appartenir à l'opposition. Ils n'ont à se reprocher que de souhaiter la compétition. Ils n'ont à se reprocher que d'être dans un régime, dans une république, sous la bannière de laquelle quelqu'un qui fut garde des Sceaux, devant l'hémicycle qui est le lieu sacré où s'éditent les lois, a rappelé, parce que la réunion de la Constitution a échoué, que désormais, ce serait par ruse et par rage que nous allons être gouvernés. Nous y sommes. Et c'est exactement et exclusivement de cela qu'il s'agit. Oui. Quelle a été l'attitude de votre parti, l'USL, depuis que la notification vous a été faite, puisque du côté des FCBE, il y a eu quand même un congrès extraordinaire. Très bien. Notre parti politique s'est réuni. Nous avons réuni nos instances. Et nous avons adressé un courrier au ministre de l'Intérieur pour lui expliciter les choses et lui indiquer très clairement que les reproches qui nous étaient faits n'étaient pas fondés. Et j'ai rappelé un certain nombre de points de développement tout à l'heure qui ont été ajoutés et qui ont été indiqués dans cette lettre pour dire très clairement que nous ne nous reconnaissions pas. Premièrement. Deuxièmement, nous avons adressé de façon conforme à la loi un recours devant la chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou pour faire droit à notre cause. Voilà pour les démarches de droit, ce que nous avons trouvé essentiel de faire, pour lequel justement nous espérons qu'il nous sera fait du droit. Abdoulaye Gounou, je pense que comme Ordène Aladatine, vous allez nous permettre que l'on voit en vous, sur ce plateau, et c'est ce que vous êtes, le soutien d'un gouvernement auquel est rattaché le ministère de l'Intérieur, parce que si le ministère de l'Intérieur avait été présent dans cette émission, il y a un certain nombre de préoccupations que le représentant du ministère de l'Intérieur serait amené, il y a un certain nombre de préoccupations auxquelles serait amené à apporter des réponses, mais vous êtes là. Pour les cas de l'USL, on a dit, parce que M. Sébastien Adiavon, qui est le président d'honneur du parti USL, fait l'objet d'une peine infamante, du coup, les dossiers du parti ne sont pas conformes à la loi. Le parti brandit depuis quelques jours un casier judiciaire qui a été délivré à M. Sébastien Adiavon le 19 janvier 2019, mais un casier judiciaire vierge. Comment est-ce que cela peut se comprendre? Sur quelle base alors le ministère de l'Intérieur a pu déclarer que M. Sébastien Adiavon fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante? Ensuite, qu'est-ce qui peut expliquer la différence de traitement entre ce qui a été fait à des partis comme le parti FCBE et l'USL, et le traitement qui a été celui du parti du Renouveau démocratique PRD, toujours au ministère de l'Intérieur? Merci, et mon cher ami Ojo. Il me plaît d'abord de vous remercier, puisque c'est la seconde fois que je viens à votre émission. Vous remercier, cher ami Ojo, pour le fait que nous sommes en face, à chaque fois que je viens ici, de l'opposition. C'est-à-dire que vous donnez la parole à tout le monde. Dans les pays où le chef de l'État veut un parti unique, l'opposition ne parle pas. L'opposition n'a accès à aucun organe de presse. Donc, alors, nous allons demander donc, au technicien de vous donner un coup de main. Bien sûr. Bon, ok, c'est bon. Bien sûr, c'est donc, bon. Dans les pays où okay, le chef de l'État veut, il s'inscrit dans une logique de parti unique, l'opposition ne parle pas. L'opposition ne parle pas, tout est muselé. Mais au Bénin, il y a M. Constantin Amoussou, il y a également Delors qui est là, bien d'autres. Pour cela, je vous remercie. Je vous remercie pour le traitement équitable.
Donc ne soyez pas surpris qu'à la sortie d'ici, qu'on vous dise qu'il n'y a pas de traitement équitable, qu'on donne plus la parole plus que l'un ou l'autre, qu'on donne la parole donc à ceux de la mouvance. C'est ça qui explique ce que vous entendez. L'homme est un éternel insatisfait. Il peut sortir d'ici pour aller dire que non, t'es ce golf là, c'est ceux d'avance qui ont parlé. Donc, on peut arriver à cela. L'homme n'est jamais satisfait. Merci pour cela. Ensuite, je voudrais aussi, je reviens un peu à vous, j'aurais été plus content, vraiment, d'avoir des collègues en face, des collègues députés de l'opposition, qui étaient à l'Assemblée, qui connaissent l'esprit de la loi, et je ne méprise pas, mais je ne... Contradicteur. Enfin, mes jeunes frères, ou même peut-être... mes jeunes collègues, il peut dire, futur collègue. Donc, j'aurais été content que ce soit des collègues qui ont baigné dans la préparation de cette loi-là, qui soient là, pour que le débat soit intéressant. Donc, plus vivant et beaucoup plus, ça dit, je suis un peu peiné. Mais quand ça en tienne, je ne sous-estime pas mes jeunes collègues, ils ont dit ce que les autres auraient dit, et tous, ils ont exprimé leur frustration, leur mécontentement. Ils ont exprimé ce qu'ils pensent, leur récrimination. Je suis d'accord avec eux. Et je voudrais d'abord revenir sur le fondement du certificat de conformité. J'ai entendu dire que c'est une pièce inventée de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. Ça n'existe nulle part dans notre arsenal juridique. Je renvoie à l'article 19 de la loi qui dit dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et à toute enquête nécessaire au contrôle de conformité à la loi du dossier de déclaration administrative de constitution. À toute enquête, au contrôle, c'est-à-dire que la loi a instauré un contrôle de conformité qui doit être sanctionné par un acte. Et c'est l'acte-là qui s'appelle certificat de conformité. Et tout son fondement à l'article 19 de la loi. Ce n'est pas inventé de toutes pièces. Mais si le ministre contrôle, il donne quel acte? Il faut qu'il donne acte après cela, au contrôle. Que le contrôle est concluant ou il n'est pas concluant. Et le ministre est même habilité à diligenter une enquête, dit la loi. Et ça, l'article 19, là... On va parler de récépissé provisoire. Je vous en prie, laissez-moi finir. Allez-y. Et cette disposition existait, hein, ce n'est pas du nouveau, je vous en prie. C'est-à-dire que je dis un peu ma frustration, ce n'est pas du nouveau. M. Conseil a essayé de faire un peu, a planté le décor de l'histoire, de l'évolution du texte. Il a parlé de l'agence, c'est vrai, c'était au débat, enfin, c'est un débat. Mais dans tout pays, le ministre de l'Intérieur, disons, dans notre système francophone, c'est le ministre qui est dépositaire, qui est le gardien, pratiquement, de la vie associative. C'est un tout pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui est le gardien de la vie associative. C'est lui qui s'occupe des associations. C'est auprès de lui qu'on enregistre tout ce qui est association. Un parti politique est avant et après tout une association. Il a rappelé la loi de 1901. Sauf si la loi en dispose autrement. Ou bien classiquement, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui a tout été en charge de la gestion des associations. Ça, nul ne peut le contester. Et l'article 18... la même loi a posé des exigences de fond et de forme. L'article dit, en l'espèce, ceci, et Orden l'a rappelé, mon collègue l'a rappelé tout de suite, que dans votre dossier, vous devez avoir, dans le procès verbal, qui doit comporter les noms, les prénoms, c'est-à-dire les adresses individuelles de chaque membre fondateur. De chaque membre fondateur. S'ils sont 10 000, on va les voir. Face à l'impossibilité, il y a ce qu'on appelle un système de délégation
Allez-vous mandater quelqu'un qui, par une procuration, qui signe à votre place l'acte de fondation du parti. Donc, il y a eu beaucoup. Nous, au Bloc républicain, nous avons aussi reçu des observations. Mais moins que, c'est curieux, moins que le Bloc progressiste, moins que le non-progressiste, ça paraît curieux. Moins que le Bloc, enfin son Bloc à lui. Nous avons eu de récriminations sur 6 communes. Sur 77 communes, il y avait 6 communes qui étaient barrées au rouge. Et je salue au passage les camarades Kassa Barthélémy, Bako Nassiro, Bangana Gilbert. On s'est plié en 4. Après d'une semaine. Pour remplacer les actes incriminés, pour reprendre les actes incriminés. Imaginez au nord, à Tukuntuna, à Kobli, à Bukumbe, à Tangeta, à Segbana, à Malambi, et ainsi de suite. Et c'est les communes, ça. Où il était reproché essentiellement d'avoir mis en lieu et place d'une attestation de résidence, un certificat de résidence. Tout ça, on a repris, on a remplacé. On s'est plié à toutes ces exigences. Chacun a eu son lot d'observations. Donc, Ojo, c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'arbitraire. Et il faut remercier là la direction des affaires intérieures. Quand on s'est rendu là, mais je dis, ça a été un travail titanesque. Ils ont mis en place des commissions pour se reprendre. Et même juste, quand, même des fois, les prénoms sont intervertis, on fait reprendre l'acte. C'est pour dire que c'est un travail de fourmi, un travail fouillé qui a été fait. Il n'y a pas eu de la complaisance. Et je remercie, au passage, la direction des affaires intérieures qui vraiment a fait ce travail de, un travail profond. Alors, vous avez fini, honorable Abdel Kounou. Je regrette, c'est vrai, ce qui est arrivé au FCBE et à l'USL, je suppose, et je prie. Je prie pour eux que tout rentre dans l'ordre et qu'ils puissent compétir. Je prie pour eux que ce soit fait. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que le certificat de conformité, bon, c'est un paravent pour écarter l'opposition par-ci, par-là. J'ai dit non. La loi donnait 6 mois. Cette loi a été votée le 17 septembre. Les 6 mois, c'est... Promulgué le 17 septembre. Bien sûr. Les 6 mois seront bouclés, je crois, le 17 mars, je crois. Mais avant, voilà que la loi, le code électoral fait obligation à la Sénat d'ouvrir le dépôt des dossiers 45 jours avant le scrutin. Mais pendant, si on croit ces deux dispositions, c'est que les 6 mois n'auraient pas été atteints. Les 6 mois arrivent à échéance le 17 mars. Mais pendant ce temps, on ne sait pas quel parti est en règle, qui a pu se mettre en conformité, qui n'a pas pu se mettre en conformité, d'où la nécessité d'un acte qui atteste que tel ou tel a pu se mettre en conformité. Sinon, un parti créé il y a 5 ans, 6 ans, peut surgir pour les aux élections. Parce que, en violation de la loi, bien sûr, peut dire aux élections parce que le parti aurait existence légale. Donc, c'est un peu ça. Abdoulaye Gounou Salifou, il y a un certain nombre de préoccupations. Lesquelles? C'est vrai, vous n'êtes pas le ministère de l'Intérieur. S'il n'y a pas d'arbitraire, est-ce que tout au moins, il y a une sorte de traitement de faveur au profit, par exemple, du PRD? Est-ce que vous savez que le DBN... Parce que M. Constantin Amoussou... Je vous comprends. A essayé est-ce de que vous faire savez une que comparaison le DBN, entre la situation de son je vous parti en prie. Et la situation du PRD. Que le DBN oui. et la DUD... de Léonard Koudé, sont des partis de la mouvance. Ils sont tous membres du BNP. Ce n'est pas des opposants. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, ce sont des opposants qu'on a rejetés, vous croyez? Ce n'est pas de la mouvance. Quand on prenait le FCDB,
C'est un parti de l'opposition. C'est un parti de l'opposition pure et dure. Oui. Oui. Mais je vous en prie. Constantin Mousseau, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, mais je vous ai laissé parler, Constantin Mousseau. Et ensuite... mais quand vous parliez, monsieur, j'avais à vous relever. Je viens, Constantin Mousseau. D'ailleurs, je vais vous écouter. C'est vrai, si je suis en train de lui poser la question, c'est parce qu'il est un, il appartient à un parti qui soutient le gouvernement. Et quand on parle du ministère de l'Intérieur, on parle sans doute du gouvernement. Donc, dans tous les cas, Ojo, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, je n'y travaille pas. Et je vous en prie. J'ai pas lu d'abord les observations initiales qui ont été faites à ces partis. Je n'ai vu que les papiers par le canal des réseaux sociaux, donc ce qu'on a envoyé. Mais initialement, il ne sait pas quelles observations étaient faites. Donc si j'avais ça sur les yeux, je peux dire attention, pourtant, voilà ce qu'on a fait, pour être tout rempli. Mais je n'en sais rien. On va passer. Adèle Aladati, est-ce que vous souhaiteriez, parce que là, je sens que vous avez peut-être des réponses que Ablaï Gonou n'a pas. Parce que l'ordre normal de la prise de parole. Je ne peux pas avoir des réponses. Si c'est mon tour de parole, tu peux. Ah non, je ne suis pas obligé. Toujours. Vous savez, on fait un débat pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de comprendre un certain nombre de décisions. En principe, nous devions nous retourner. Vers Monsieur Delors Laurent Faton. Il y a une question pour le deuxième tour de table. Je vous en prie, une question importante que j'allais oublier. Il dit que quand une personne est condamnée. Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Quand une personne est condamnée et que tant qu'on n'a pas fini tous les recours, tant qu'on n'a pas épuisé tous les recours, que la condamnation n'est pas exécutoire, est sans effet. Je regrette. Ici, nous sommes en matière pénale. On est en matière pénale. Quand quelqu'un a été reconnu coupable par une juridiction, matière pénale, eh bien, le fait qu'il ait fait appel, encore que, la criette a l'interne juge en premier et dernier ressort. C'est une cour d'exception. Oui, mais les avocats de M. Adiavan disent avoir formé un pouvoir je vous en dis, cassation c'est un coup qui serait bloqué à la criette. La criette, c'est comme les assises. Les assises. Monsieur Constantin Mousseau, votre manière de rire perturbe l'intervention de M. Ablaï Gonou, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, je vous en prie. C'est une tout à l'heure, vous a laissé vous exprimer. La cour d'assises, la criette, c'est les juges qui ne sont pas dans la hiérarchie normale judiciaire. La cour d'assises, c'est comme ça. Elle est organisée périodiquement. Et quand on vous juge aux assises, c'est une cour d'exception, la cour d'assises. C'est une juridiction d'exception. Elle n'est pas permanente. Donc la criette, c'est une cour d'exception pour certaines infractions bien spécifiées. Donc, de ce point de vue, le fait d'aller à l'international faire recours pour dire, bon, voilà, pourquoi vous n'êtes pas allé à la Cour suprême? Si c'est permis, allez à la Cour suprême du Bénin. Mais ils disent qu'ils ont formé un pouvoir en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême qui serait bloquée à la criette, selon eux. Bon, on ne va pas refaire le procès sur l'affaire cocaïne, dans cette émission. Écoutez, en principe, c'est M. Delors Laurent Faton qui doit prendre la parole pour le deuxième sujet par rapport au thème. Et le deuxième sujet, ce sont les garanties ou non de la participation de l'opposition ou d'une grande partie de l'opposition aux prochaines élections. En principe, c'est sur ce sujet que nous allons commencer par vous poser des questions tout de suite. Mais si vous le désirez et si ils le permettent, s'il y a des préoccupations auxquelles vous pensez avoir des réponses, on pourra vous laisser la parole. Là, vous utilisez dans votre temps des réponses par rapport à la question de garantie ou non de la participation de l'opposition aux prochaines élections, pour apporter les informations que vous pensez détenir sur leurs préoccupations. Nous avons un devoir d'information. Oui, bien sûr, c'est pour ça que nous allons procéder de cette manière. Allez-y alors. Une question par rapport à la discrimination qui aurait été faite au profit du PRD. Moi, j'ai cherché à comprendre. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si c'est dans mon tour de parole, je préfère quand j'aurai la parole. D'accord, voilà. Quand vous aurez la parole, vous pourriez donc apporter les informations que vous avez sur cette question-là. Delors Laurent Faton, oui, non, mais c'est M. Amoussou, ce n'est pas vous qui prenez la parole maintenant. Merci de bien vouloir patienter. Avec tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez sincèrement que le parti FCBE a encore des chances
de participer aux prochaines élections? Vous savez, je n'ai jamais douté, je ne douterai jamais. Il n'y a pas élection au Bénin sans nous. Nous serons aux élections prochaines du 28 avril 2019. Les FCBEI seront. Parce que selon la charte des partis politiques, en tant que parti politique ayant reçu un récépissé provisoire, ayant été déclaré au journal officiel, nous avons une existence légale jusqu'au 17 mars 2019. Récépissé provisoire. Nous avons une existence légale, c'est la loi qui le dit. Ça veut dire que nous sommes habilités à déposer nos dossiers le 26 prochain à la Sénat. Selon ce qui est dit dans la nouvelle charte, nous avons 6 mois. Après 6 mois, nous perdons notre existence. Mais nous sommes en train de faire une procédure de mise en conformité qui n'a normalement rien à voir avec le dépôt de candidature et la participation aux élections. C'est deux procédures différentes. Où est-ce que vous mettez la décision constitutionnelle pour se conformer à la charte avant de participer aux élections? Évidemment. Oui. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Oui. Mais la Cour, comme je l'ai dit précédemment, a inventé une pièce qui n'existe nulle part. L'article 21 a dit que le ministère de l'Intérieur fait notification de la non-conformité. Notification ne signifie en aucun cas un certificat de conformité. Dans la charte, il n'y a que deux thèmes qui sont employés. Certificat récépissé provisoire et récépissé définitif. C'est les deux. Alors quand c'est les deux, une autre pièce inventée est une entorse à la loi et la Cour consulaire se transforme alors en un pouvoir législatif. Il n'en est pas un. La Cour consulaire n'en est pas une, du moins, elle est un pouvoir de constitutionnalité et de recours. Ça veut dire que du moment où il n'y a pas eu de recours, la Cour consulaire ne peut pas inventer une pièce en cours de jeu. Ça veut dire que d'abord, la Cour consulaire a choisi délibérément d'enfreindre au protocole de la CEDEAO qui dit qu'on ne peut pas changer les règles électorales 6 mois avant les échéances électorales. C'est clair, mais la Cour... S'il n'y a pas consensus. C'est pas consensus, mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle délibérément a changé les règles du jeu en y introduisant un petit jeu. Mais pour comprendre la Cour, il faut lire les choses selon l'histoire. Vous savez, cette législature, non, ce régime en place est un régime de diversion et de fuite en avant. Ils n'ont jamais eu envie d'aller devant le peuple qui les a élus en 2016. Parce que quand il était question de réviser la Constitution et qu'ils ont été déculottés à l'Assemblée la première fois, la seconde fois qu'ils ont été aussi déculottés à l'Assemblée, ils ont chanté sur tous les toits les députés qu'ils iraient en haut référendum. Les députés ont fait une campagne sur les plateaux, ils ont parlé qu'ils iraient au référendum. Mais subitement, quand ils ont fait les sondages, ils ont su que l'avis est défavorable et largement défavorable. Subitement, le chef d'État vient, le 1er août, pour dire que non, il n'y aura plus de référendum, qu'il ne veut pas perdre de l'argent pour le peuple béninois, qu'il veut économiser l'argent. Et l'argent qu'on économise, où est-ce qu'on l'investit même? Ça, c'est une question que tout le monde connaît dans ce pays, parce que depuis l'investissement, c'est pas là où ça va. Ce n'est pas l'ordre du jour. Oui, mais c'est une parenthèse qu'il faut aussi préciser. C'est que quand ils ont constaté que de jour en jour, leur électorat s'érode, et de jour en jour... Vous avez déjà répondu à ma question depuis. Hein. Je vous m'avez dit que c'est ceux qui sont en face de nous qui ont peur d'aller aux élections. D'accord. Et qui ont peur du peuple qui est devenu aujourd'hui l'opposition. Nous ne sommes que des leaders en face, mais le peuple est devenu l'opposition. Et de jour en jour, ils sentent et ils le savent. Parce qu'ils sont dans le peuple béninois. Ils savent que le peuple béninois, de jour en jour, est contre eux. Parce qu'ils gouvernent, ils font une gouvernance arrogante et ils font une gouvernance de mauvaise foi. Parce que s'il n'y a pas mauvaise foi, dites-moi par quelle alchimie. Par quelle alchimie en cours de jeu, vous changez les règles du jeu et vous inventez une pièce qui n'existe nulle part. C'est la mauvaise foi. S'il n'y a pas mauvaise foi, dites-moi par quelle alchimie, vous faites des observations à un parti politique. Après avoir pris le temps d'installer une commission qui a étudié et que vous faites des observations, et le parti politique se conforme à vos observations et le jour même du dépôt, du commencement du dépôt des candidatures, vous sortez une nouvelle décision pour dire qu'on n'est pas conforme. Alors qu'on sait que nous n'avons que 6 jours pour déposer les candidatures. Et c'est le jour même, le 21, dans la matinée, qu'on nous envoie une lettre de notification de non-conformité. Pourquoi le ministère ne s'est-il pas empressé? Pour très tôt, nous faire des observations depuis le 4 février, on se serait conformé. Mais pire encore, dans l'affaire, il faut que vous voyez comment les gens sont de mauvaise foi. Mais ils pensent qu'ils vont nous pousser au dernier retranchement et nous n'allons pas à nos élections. Nous irons aux élections. S'ils pensent qu'ils vont créer une situation d'insurrection dans ce pays, pour qu'il n'y ait pas élection, il y aura élection. S'ils pensent qu'ils ont déjà gouverné en surgissant et en agissant qu'il faut disparaître, ils ne disparaîtront pas. Personne ne disparaît dans ce pays. On va rester tous à nos élections et avoir le verdict des élections et au lendemain, on fera le bilan. Parce que le slogan est bien connu, hein?
Sujet, agir, disparaître. Peut-être qu'ils ont dit agir. Ils pensent qu'il faut créer une situation nébuleuse pour disparaître. On ne disparaîtra pas. Nous sommes là tous, c'est le bien nous appartient. Ils disent demain, ils sont dans l'opposition, ils feront ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que c'est le jeu démocratique. Nous voulons qu'ils soient là tous et qu'on ait les élections, qu'ils perdent les élections et que demain les opposants, ce sera de bons jeux. Mais qu'ils ne fassent pas de la diversion. Et nous, dans notre position, c'est clair. Nous ferons tout de ce qui est de notre pouvoir, tout ce que la loi nous permet pour aller aux élections de 2028 à 2018. S'ils pensent qu'ils peuvent nous divertir, qu'ils peuvent faire de la distraction, il n'y en aura pas. Et je dis une chose à l'opinion publique nationale et internationale. Je dis bien aussi à la population béninoise, et je précise bien à nos militants, qu'ils soient de l'opposition de manière générale et du parti politique FCBE, parce que le débat n'est pas un débat de FCBE. C'est un débat d'opposition. Et tout porte à croire que désormais, les opposants béninois sont les hommes intelligents et subitement, par un miracle, les mouvancés sont les intelligents du pays. Subitement, devenus intelligents et nous sommes incapables de nous conformer à un chef de parti politique. Et c'est seulement eux. Et on nous dit qu'il y a des partis de l'opposition. FDC, vous savez quoi ça veut dire? On n'est pas opposition en déclarant opposition. On est opposition en animant la politique en tant qu'opposition. On n'a jamais vu sur aucun terrain politique l'FCDB être de l'opposition. Qu'on ne nous distrait pas. L'opposition est connue, c'est trois partis politiques au Bénin. C'est RB, c'est FCBE, URE et USL. Aucun autre parti politique n'est de l'opposition. Je n'ai pas dit RB, excusez-moi, je dis FCBE, RE. Ce dialogue n'est pas opportun. Écoutez-moi, vous allez m'écouter maintenant, monsieur Delors Laurent Faton. J'ai vu que vous avez commencé par vous énerver. C'est pour ça que, après avoir répondu à ma question, vous avez poursuivi avec d'autres développements. Ici, vous êtes venu pour vous exprimer, il n'y a aucun problème, mais vous ne pouvez pas parler d'un parti politique qui n'est pas représenté ici, parce qu'après, ça pourrait déboucher. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, parlez de vous, parlez de ceux que vous avez en face et laissez le parti FCDB s'exprimer aussi au moment opportun, je vous en prie. Ce n'est pas nous qui l'avons, ce n'est pas moi qui maintenant, je vous donne l'occasion de poursuivre votre intervention pour qu'on puisse donner la parole. Je dis alors, aujourd'hui, il se fait seulement remarquer que c'est les partis de l'opposition déclarés qui sont les partis qui ne sont pas capables de se conformer à une majorité de partis politiques. Et nous savons, nous suivons bien quand même l'actualité politique nationale. Et nous savons que les autres partis dont on nous dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas le récépissé ou bien je ne sais pas ce qu'on ne leur a pas donné, nous connaissons un peu la posture de ceux-là par rapport au régime en place. Si on sait que ceux qui sont, pourquoi les républicains, les progressistes, ceux qui sont vraiment de la mouvance, à eux, on ne l'a pas notifié des observations à la veille ou bien au dépôt, le jour du dépôt des dossiers. On ne l'a pas. Pourquoi le ministère ne pouvait pas faire le travail plus tôt et que c'est maintenant qu'on fait le travail? D'accord. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est une intention qui est claire. Le régime, depuis que le régime a senti que l'électorat bascule et bascule dangereusement, on ne veut pas aller aux élections. Mais nous dirons aux élections parce que les élections législatives sont des élections constitutionnelles. Et personne ne peut nous empêcher d'y aller. Et il n'y a pas d'élection sans vous. Ordonne à la Dati, votre toute parole vient enfin. Voilà, avec tout ce qui se passe, quelles sont les garanties que vous offrez aux partis politiques de l'opposition qui sont dans la situation que vous connaissez, la situation à l'origine de cette émission, que ces partis pourront participer aux prochaines élections pour que nous ayons un scrutin inclusif? Mais moi, je n'ai pas de garantie particulière à donner. Hein. Oui, la loi, c'est la loi. Légal, voilà. Non, la loi, c'est la loi, chers amis. Vous vous conformez à la loi. Il y a le code électoral qui est très clair, qui a fixé les conditions pour participer aux élections. Je me battrai pour que tous ceux qui respectent ces conditions-là puissent participer aux élections. Mais malheureusement, s'il y a quelqu'un qui a passé tout son temps à ne pas s'occuper de l'essentiel, ne respectait pas les conditions, ce serait dommage. Je le déplore absolument. Non, moi, je voudrais répondre rapidement à certaines petites choses, hein, des piques. Non, mais vous savez, mon ami Constantin Amoussou est un homme de lettres. Alors, ce mépris par rapport aux hommes de théâtre, ce n'est pas digne de vous. C'est un mépris par rapport aux hommes. Non, je ne vous réponds pas. Ne me répondez pas. Non, ne me répondez pas. Monsieur Amoussou. C'est un monsieur Constantin Amoussou qui est un homme de lettres. Vraiment. Et il traite. Voilà. Mais parce que je le respecte pour ça. Seulement qu'il aligne beaucoup de mots. Mais il est un brillant homme de lettres. Mais qui vous voyez, qui vous voyez, vous voyez avec quel mépris il traite les comédiens. Et il est homme de lettres, il doit savoir quand l'acteur sur scène, d'accord, et l'homme, il y a une grande nuance. Et vous voulez confondre l'homme à la Dati, à l'acteur que j'ai été. Vous voyez, et c'est un passé glorieux qu'il me rappelle là, être fait du théâtre, de la satire politique, de la satire politique.
du théâtre d'intervention sociale. Ça a duré. Et ça veut dire que nous ne sommes pas improvisés dans le combat public que nous faisons. Nous n'avons pas fait de l'improvisation. Vous savez, c'est un engagement citoyen. Nous avons juste changé de pédagogie pour nous investir en politique, pour influer sur les décisions. C'est important. Je pense que les propos de M. Fatton sont plus importants que les attaques amicales. Non, donc on va quitter les états d'âme, oui. M. Fatton. On va quitter les états d'âme pour descendre sur terre. Ça, c'est des états d'âme, ruse, rage, c'est suranné, c'est dépassé. Hein? Ruse, rage, c'est quand on n'a plus d'arguments qu'on commence par aligner ces choses-là. Et nous assumons, nous sommes déjà habitués à cela. Ce dont il est question, c'est le contenu, c'est le fond. Les FCB qui ont dit qu'ils ont répondu aux observations, ils n'ont pas signé, il n'y a pas de statut signé, règlement intérieur signé. Je vous dis que c'est déjà la loi 1901 qui dit ça, ce n'est même pas la charte. C'est basique, il faut faire ça. Au lieu de s'occuper à autre chose, il faut faire ça. Quand on veut se présenter à une chose-là, il faut faire ça. Ils n'ont pas signé leur statut, ils n'ont pas signé le règlement intérieur. Le ministère de l'Intérieur leur reproche ça, entre autres. D'accord ? C'est ce qu'il faut dire aux populations. Par rapport à l'USL, mais l'USL, ce n'est pas que ce que vous avez dit là. Il y a d'autres griefs. Pourquoi vous ne parlez pas des autres griefs que l'on reproche à votre parti? Il faut réagir à cela. Vous n'avez pas signé vos règlements intérieurs. Vous n'avez pas fait ça. Ce n'est pas normal. Quand on veut participer, qu'on est un parti politique sérieux, on fait attention. La question du PRD, moi j'ai cherché à voir. Le PRD a écrit et a dit qu'ils sont conformes. Et on produit la liste de 15 personnes par commune. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à FCBE, ce n'est pas tout ça. Le ministère de l'Intérieur conclut dans la notification qu'ils ont eu à faire une fausse déclaration. C'est ça. Vous avez fait un congrès constitutif. Et ce n'est que le congrès constitutif qui génère des membres fondateurs, pas un autre congrès. À moins de faire une refondation ou bien de dissoudre le premier parti et d'en constituer un autre. C'est clair, c'est basique. Quand vous écrivez au ministère de l'Intérieur pour dire que vous avez 1000 et quelques, vous êtes une petite nuance, 1500, 1200, je ne sais pas combien vous avez écrit, c'est que vous faites une fausse déclaration. Parce que quand on remonte à votre dossier au ministère de l'Intérieur, vous avez 287 membres fondateurs, cher monsieur. Laure Fatton, dites ça aux populations. C'est ça qu'il faut dire aux populations. Vous avez fait une fausse déclaration. Vous n'avez pas 1000 membres fondateurs, vous en avez 287. Et ce n'est qu'un congrès constitutif qui fait donner. Et vos propres statuts disent qu'au cours de la vie de votre parti politique, d'autres personnes ne peuvent pas se réclamer membres fondateurs en dehors de ceux qui ont participé au congrès constitutif. Eux-mêmes l'ont dit dans leur statut. C'est clair et c'est net. Dans vos statuts, vous l'avez dit à l'USL, c'est de façon très claire. Donc ces messieurs qui ont passé tout le temps à dire rage russe, il y a quelqu'un qui est opposant au Parlement qui a un petit truc, on blague avec ça. Il dit que c'est là où la goutti mange, c'est là où la goutti dort et c'est là où il prend piège. J'ai suivi mon opposant qui a dit que lui, il a mis un virus, que lui, il a envoyé quelqu'un en mission, un député en mission. Pendant que nous, on légifère pour bâtir ce pour pays. Pour foutre un virus dans la loi. Pour foutre un virus. C'est le rôle de l'opposition de foutre un virus. Il a mis un piège. Voilà que la goutti a pris piège. Comment on va faire maintenant? C'est ça. Vous voyez? La goutti a pris piège. Vous voyez? Moi, je dis, vous avez dit que vous êtes conformé. Amalgame total. Vous faites une déclaration pour dire jamais, ce n'est pas juste. Et vous dites que nous avons demandé la conformité. Et vous dites que c'est le ministère de l'Intérieur qui a menti, hérésie. Et pourtant, vous allez écrire pour dire que vous voulez vous mettre... Quels sont ces amalgames-là? On n'a pas fini de dire ça. Vous avez fait sortir pour dire que personne n'irait aux élections. Et vous dites que vous irez aux élections. C'est vous-même qui vous dédisez. Ce n'est pas nous. Vous avez déjà fait des conférences de presse pour dire jamais... Mais les images sont là, non? Monsieur Delors Fatton, les images sont là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lundi, maintenant... Certains disent qu'ils vont rencontrer le chef d'État, d'autres disent qu'ils vont marcher. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais dites-nous, M. Constantin Amoussou, c'est quoi votre ligne? Est-ce que vous voyez?
Voilà. Donc, voilà. Chers amis, il faut qu'on dise ça à la population. Rien ne se passera. Vous savez, moi, j'ai fait de l'opposition au président Yahya Boni. La veille des élections, les gens sont encore légiférés, la cour, par rapport à la LEPI et autres là. En plein processus, les thèses qui ont été votées ont été biaisées. Quand vous prenez le processus de la LEPI, on a dit que les phases là ne doivent pas, ce doit être des phases successives. Le gouvernement a pris par décret que les phases puissent être concomitantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini une phase et on commence une autre. Alors que la loi que nous avons votée l'interdit. Ce que nous nous demandons ici, qui est différent de ce que vous avez fait, c'est que simplement la loi votée soit appliquée. Vous dites que nous irons aux élections, mais c'est la Sénat qui décide de ceux qui iront aux élections ou pas, non. Vous allez forcer la Sénat? Vous voyez les déclarations de guerre que ces gens-là font? Ça ne se passera pas ici, malheureusement. Parce que la loi, c'est la loi. Et je vais demander quelque chose aux populations qui nous écoutent. C'est-à-dire que là, maintenant, lui-même comprend qu'ils ont piétiné la loi. Ils n'ont pas respecté la loi. Maintenant, est-ce au nom de la paix, hein, on demande que le ministère de l'Intérieur fasse de la politique? C'est ce qu'ils accusent le ministère de l'Intérieur d'être, qu'ils lui demandent de faire. Parce que c'est des techniciens, c'est la direction des affaires intérieures. Va faire des notifications techniques, juridiques. Et vous dites, ouais, il y a un grand parti de l'opposition. Encore que vous n'avez pas fait de déclaration d'opposition, que je sache. Bon, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas respecté, on va dire, au nom de trucs. Qu'est-ce qu'on demande? C'est ça, moi, ma question. Et on connaît la rigueur. Vous savez, nous, ce qui a fait notre chance au niveau de la mouvance, nous supportons un président qui est rigoureux, qui n'aime pas ces choses-là. Les gens sont tellement... Ils ont fait une fausse déclaration parce qu'ils sont habitués à ça. Vous voyez? Donc, nous sachant ça, je vous ai dit, le président Amoussou a veillé au siège. Voilà, d'accord. Et nous avons fait ça. Vous n'avez pas veillé, vous étiez en train de bavarder sur la télévision, vous voulez dire quoi? On va passer à autre chose. Ah, Constantin Amoussou, c'est vrai, après avoir reçu une notification de non-conformité du ministère de l'Intérieur, vous avez introduit une correspondance auprès du ministre de l'Intérieur pour lui dire votre compréhension d'un certain nombre de dispositions de la loi. Lui n'a pas la même compréhension. Quelles sont les chances que vous avez aujourd'hui d'être parmi les partis qui vont compétir lors du prochain scrutin législatif? Merci bien, Rachid Diodio. J'ai vu les deux représentants de la mouvance se contredire sur le principe parce que je les ai crus de bonne foi quand j'ai entendu l'un d'eux dire que lui prierait. Et je l'ai cru homme de foi. D'ailleurs, je le suppose, je le crois homme de foi, considérer que le souhait pour l'opposition de se retrouver dans la bataille électorale était pour lui une préoccupation. Mais on a bien lu en regardant et en écoutant les propos de M. Orden Aladati qu'il présume de ce que la Sénat ferait, comme il était en état de prendre de ce que... Oh mais bien sûr, puisque vous dites que c'est la Sénat, et si la Sénat ne fait pas... Et donc, on comprend très bien, en vous suivant, que autant que vous avez été capable de savoir ce qui pourrait se passer au niveau du ministère de l'Intérieur, autant il a été possible de présumer à votre faveur ce qui se passerait à la Sénat contre l'opposition. Et cette lecture, elle est faisable. Mais il y a une chose qui est claire. Lorsque nous disons au niveau de l'opposition qu'il n'y aurait pas d'élection sans l'opposition, ce que nous disons n'est ni qu'il n'y aurait pas d'élection, ni qu'il y aurait une élection à laquelle nous participerons tout seuls. Mais c'est dire que nous allons utiliser tous les moyens de droit et tous les moyens légitimes pour qu'il soit fait droit à l'opposition dans le cadre d'un processus qui inclut toutes les formations politiques. Et sur cela, ce n'est pas que du droit national, ce sont les principes généraux de droit, c'est l'histoire du droit, c'est l'histoire. Si vous aviez interrogé là-dessus Saint-Just, je parle de la Révolution française, il vous aurait dit que l'insurrection est la garantie des peuples. Si vous aviez interrogé l'histoire de la Révolution française 1789, en partant même de la Déclaration sur les droits de l'homme et du citoyen, on vous aurait dit que chaque homme, que chaque citoyen a droit à la résistance contre l'oppression, a droit à la liberté. Et l'expression de son vote de façon libre à l'occasion d'une élection est l'une des garanties que prescrit, et on dit imprescriptible, ce qui suppose que
c'est si important qu'il n'est même pas nécessaire de l'écrire autrement. Ce qui suppose que c'est si important que ni le temps, que ni même l'espace ne pourrait avoir aucune influence là-dessus. Et enfin, finir là-dessus en disant qu'au niveau de l'opposition, ce que nous disons et martelons est celui-ci. Voyez-vous, il était dans un village, un sage, dont on disait tout le monde de façon unanime qu'il était très sage. Et un jour, il a plu à un jeune, un très jeune, de le défier. Alors un jour, il s'est adressé à lui. Il lui tend une main. Et dans sa main, il avait un papillon. Puis il dit au vieux, « Dites-moi si vraiment vous êtes le sage homme qu'on prétend que vous êtes. Dites-moi si le papillon-ci qui est dans ma main est mort ou s'il est vivant. » Il savait le jeune homme rusé, usant de ruse. Il savait que si le sage homme déclarait que le papillon était vivant, il fermerait son poing légèrement et le ferait tuer et ouvrirait la main en montrant un papillon mort. Mais il savait que si le sage homme déclarait que le papillon dans sa main était mort, il ouvrirait le poing et le laisserait s'envoler. Et alors il ferait déclarer publiquement que ce sage, tenu pour tel, n'était pas un sage. Puis le sage le regarde, puis il observe et puis il lui dit, « Jeune homme, que ce papillon soit mort ou qu'il soit vivant, cela est en ton pouvoir, cela dépend de toi. » Et c'est ça qui est la vérité. Monsieur Odin Adatin, que l'opposition aille aux élections ou non, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, vous les députés qui faites les lois. Ça dépend de vous qui êtes les amis de Patrice Talon, qui disent que vous êtes des démocrates. Ça dépend du chef de l'État, qui est garant de la paix. Vous savez, le président de la République, le président Mathieu Kérékou, le 11 juillet 2005, a reçu les enseignants au palais de la présidence. Puis quand il les a reçus, il les a écoutés. Puis il dit, si vous arrivez ici au palais de la République, si vous arrivez ici, et si vous n'avez pas de solution au problème que vous posez, cela signifie que la République n'existe pas, que les institutions n'existent pas, que le responsable n'existe pas, que la loi n'existe pas, que la justice n'existe pas, que la paix n'existe pas. C'est entre vos mains, monsieur Odin Adatin, c'est entre vos mains, monsieur Gounou Abdoulaye, c'est entre les mains du chef de l'État, c'est entre les mains des institutions de la République, c'est entre les mains de monsieur Diokbenou Joseph. S'ils sont les démocrates que nous avons vu être, s'ils souhaitent que notre pays demeure le phare de la démocratie, ils ne seraient pas honorés de voir une élection à laquelle ne participeraient que les partis soutenant le chef de l'État. Voilà. Et c'est là-dessus qui me plaisait de m'arrêter. Bien sûr, Constantin Moussou, on veut bien croire que ce ne sont pas des menaces. Ensuite, vos propos ne sont nullement insurrectionnels. Ce ne sont pas des appels à l'insurrection. Vous avez interprété de cette manière. Vous avez suivi mon développement et j'ai dit que c'est entre leurs mains. Oui. Entre leurs mains que nous participions ou non au processus électoral, mais qu'à travers cela, que c'est la paix qui est entre leurs mains. Que voilà. S'il y avait de la menace éventuelle sur la paix, que c'est le fait de M. Odin Adatin, que c'est le fait de M. Abdoulaye Gounou, que c'est le fait du ministre de l'Intérieur. Et M. Abdoulaye Gounou, qui a eu l'obligeance quelquefois de remercier la direction des affaires intérieures du ministère, a oublié de remercier le ministre de l'Intérieur, enfin, je veux dire, le vice-président de l'Union progressiste. Parce que, bien évidemment, tout cela n'a pu se faire que sur sa furie. Il était important de rappeler. Merci. Alors, Abdoulaye Gounou Salifou, aujourd'hui, on sent que l'opposition a envie de participer à la compétition électorale. Je dirais les partis de l'opposition qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le récépissé provisoire, ils ne pourront pas peut-être obtenir le certificat de conformité. Vous, en tant que soutien du gouvernement en place, est-ce que vous voyez peut-être une lueur d'espoir pour ces partis politiques de l'opposition qui sont impatients de participer à la compétition électorale du 28 avril prochain? Audio, vous revenez toujours sur la même question. Enfin, je vous remercie. Pour dire tout de suite à mon jeune frère Amoussou, nous, à l'Assemblée, nous avons déjà fini de voter la loi. Plus rien n'est entre nos mains. Ce n'est pas entre les mains de Gounou Abdoulaye, non plus entre les mains de Odin Aladati, encore moins entre les mains de Hungbeji Adrien, notre président, c'est entre les mains des institutions chargées d'appliquer la loi. Et c'est aussi, vous savez, en droit, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est de cela qu'il s'agit, en fait, dans le fond du dossier, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des choses qu'il va lui dire quand on va sortir en privé. Que ne pas dire ici publiquement. C'est bon, étant juriste,
vous pouvez le dire, ça peut vous créer d'autres conséquences. On se connaît bien. Moi, tant que le ministère de l'Intérieur n'a pas encore répondu, je reste dans l'espoir que l'opposition va aller aux élections. Je m'en tiens à la loi. Si le ministère de l'Intérieur trouve que le dossier est conforme, objectivement, ils vont répondre. C'est comme le débat sur le quitus. C'est comme le débat sur le quitus. On ne va pas ramener ça maintenant parce que ça, non, je vous en prie. C'est une autre préoccupation. C'est similaire. On dit, voilà, ils ont inventé l'affaire de quitus. C'est le même débat, hein. Je vous dis, à la date de ce matin-là, il y a des collègues députés de la mouvance qui n'ont pas encore le quitus. Parce qu'ils doivent des impôts un peu partout. À la date de ce matin. On était ensemble. Tout se bateau comme si c'est de l'opposition qu'on cible. Dès qu'on a des quitus, mais vous savez combien ça fait rentrer? Il fallait inventer le quitus. Mais au Togo, depuis 99... On fera une autre émission sur les quitus. Non, je vous en prie. Non, non. Il est, écoutez, quand ils voient l'or suivi, vous ne les arrêtez pas. Quand ils voient l'or suivi, vous ne les arrêtez pas. Parce que si vous soulevez le débat sur chacun quitus, sort ce qui le préoccupe. D'accord. Quand ils ont... Tous deux ont des envolées. Non, parce que peut-être ils sont dans une situation qui leur demande d'avoir cette posture. Allez-y. Ça me tient à cœur. Allez-y, la question. Je ne sais pas si c'est le même peuple que nous écoutons, eux et nous. Allez-y. Je ne sais pas si c'est le même peuple que nous écoutons. Tout à l'heure, Delors disait, voilà, ils ont senti qu'ils sont devenus impopulaires. Mm. Je souhaite vraiment vivement que vous venez. Connaissez le terrain. Peut-être dans votre village, chez vous. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Ah non? Venez. Je souhaite que vous venez. Qu'on se mesure sur le terrain. Sincèrement, moi, c'est mon souhait. N'oubliez pas ce que vous le dites sur les quitus. Il ne faut pas dire après que M. Odjo ne vous a pas empêché de parler des quitus. Permettez, alors. Il faut y aller. Faut donc, y ouais. aller rapidement. Donc, ce débat de conformité ou pas, c'est un débat d'application de la loi au Bénin. Au Bénin, on n'a pas l'habitude d'appliquer les textes. Je vous en prie, prenez l'ancienne charte des partis politiques, vous verrez plein. Mais qu'est-ce qu'on a modifié dans la nouvelle charte des partis politiques? Un, le nombre de personnes par qu'on a augmenté, cette fois-ci par commune au lieu de département. Ensuite, le principe de financement qu'on a inséré dans la charte. Et il a dit, ça on a évacué, ça le suivi par, donc par une agence spéciale, ça, on a évacué après, donc au séminaire. Parce qu'il y a un séminaire, là, un séminaire, ils étaient tous là. On s'est entendu. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît, monsieur Amosso. Oui, c'est l'ancien corps qu'on a reconduit en réalité. Hein, à 90%. À 90%, on s'écoute. Maintenant, il est question d'appliquer la loi. La force de l'Europe, c'est la loi des Européens. C'est-à-dire, même dans leur vécu quotidien, c'est la loi. Mais nous ne voulons pas appliquer la loi. Nous pensons que les lois sont faites pour être mises au rancard et tout le reste, c'est les suspicions, les états d'âme, vous voyez, les relations interpersonnelles. Donc, c'est l'informel social que nous préférons. Donc, c'est de ça qu'il est question, chers camarades, chers collègues, chers amis. Appliquons la loi. C'est vous qui revendiquez l'état de droit. Allons à l'état de droit. La charte n'a pas limité la création des partis politiques. Non. Aucune disposition, aucun article n'a dit qu'on limite le nom des partis politiques. On a juste posé les principes objectifs pour créer un parti politique. Voilà. Mais ça devait être compliqué pour nos collègues d'observer ces principes-là. Il faut aussi faire la distinction entre la légitimité et la légalité. J'ai suivi, mon ami. Tout ce qui est légitime n'est pas légal. Hein? Tout ce qui est légitime n'est pas légal. Vous avez suivi l'élection qui a eu de Al Gore, l'affaire Al Gore aux États-Unis. Il faut faire la distinction. Mais pourtant, c'est la Cour suprême américaine. Donc, la légitimité n'est pas forcément la légalité. Ici, il est question de la légalité. Oui, c'est vrai que vous venez, mais je vous en prie, les termes tels que insurrection et consorts, c'est les termes que vous empruntez au Parti communiste. Jusqu'à une date récente, ce n'est que les thèmes appropriés au Parti communiste qui a évolué et qui a évolué positivement, qui a déjà abandonné ça. Ils ne sont plus à ce niveau-là. Et ça que vous voulez prendre, vous, l'insurrection? Insurrection par rapport à qui?
Par rapport à quoi? Vous voulez faire de la violence? C'est ça que vous voulez faire? Force restera la loi. Quiconque se met, comme dirait l'autre, quiconque se met au travers de la loi, eh bien, il verra la loi. Quiconque osera, comme dirait l'autre, celui qui va sortir, on se verra. De la même manière que je voulais demander si ce n'était pas une menace, j'espère aussi que ce n'est pas une intimidation. Écoutez, de votre côté. Quiconque sortira pour dire je vais entraver la loi, alors ça s'appliquera à lui, tranquillement. Votre préoccupation sur l'équité fiscale. La garantie que la personne peut donner. Moi, je n'ai pas une garantie à la donner en dehors de la loi. Ils ont tous une garantie légale. L'équité fiscale, sur lequel je reviens, et vous voyez, ce quitus, il est né de la Constitution elle-même. L'idée du quitus est contenue dans notre Constitution pour l'élection présidentielle. Allez lire, je vous renvoie ça. Aujourd'hui, on dit qu'on a inventé le quitus. On a inventé si. Vous trouvez que dans un pays, quelqu'un qui aspire à être maire. Moi, je veux même qu'on étende le quitus à nos actes civils, comme au Rwanda, comme en France. Comme en France, actes civils. C'est-à-dire que vous allez même pour faire un passeport, même pour faire une carte d'identité, vous avez votre quitus que vous payez vos impôts. Le premier acte, le premier geste de la citoyenneté, c'est de payer les impôts. C'est-à-dire, même c'est 10 francs payés. D'accord. C'est ça qui est la question. Merci. Donc on ne se lève pas pour dire non. Bon, voilà. Merci. Bon, merci, Odio. C'est vrai que vous me coupez très, très souvent. Merci beaucoup. Et là encore, c'est bon. Vous avez. Non, c'est bon. Mais je concède parce que. Pour que mes amis n'aient pas dit dehors, bon, la voix sera plus que nous. Nous, nous sommes habitués, l'opposition pense que les représentants de la majorité ont plus de temps. Ah non, il parle plus que moi, hein. Amoussou. Ceux de l'opposition parlent plus que. Mon cher ami Amoussou. C'est notre quotidien. On essaie de faire avec. Alors, nous allons nous intéresser au public. Merci au public, merci de votre patience. Alors, oui, monsieur Gilbert Marcou. Allez-y, vous avez la parole. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci aux gens. Merci aux téléspectateurs. Moi, je crois que c'est la première fois depuis 1990 qu'un gouvernement déclare son impopularité et décide de voler une élection. C'est très clair. La conclusion jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'aucun parti de l'opposition n'a le récipité de la conformité. Mais que les partis de l'opposition, eux, sont prêts pour aller aux élections. Ils ont décidé de voler une élection. Ils ont décidé de voler l'élection, c'est très clair et c'est net. Je vous donne le cas de candidat Zanaï. Alors, là, on a, est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Ok, d'accord. Je vous donne le cas de candidat Zanaï. Au départ, il avait tout demandé le quitus fiscal. Jusque-là, il n'a pas reçu. Mais le jour où on lui a notifié la non-conformité de son parti, on l'a appelé le même jour pour aller valider le quitus. Si ce n'est pas le quitus, c'est la loi sur la conformité. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est bien planifié. C'est pour écarter l'opposition. Ils ne veulent pas que l'opposition participe à l'élection du 28 avril. Et ça ne se passera pas. C'est un mauvais démocrate. Il faut les combattre. Je vous en remercie. Alors, Boga Koupaki. Merci beaucoup, Odio. Je pense que nous devons commencer par reconnaître l'impression de la rigueur que le président Patrice Talon a voulu instaurer depuis le 6 avril 2016, lorsqu'il prenait le pouvoir, c'est-à-dire quoi? Plus rien ne sera comme avant. Et vous allez comprendre avec moi que la loi sur l'achat des partis politiques n'a pas été votée en septembre, c'est depuis juin. Et tous depuis ces depuis le 26 juillet, et tous ces partis politiques que nous sommes en train de citer savaient de façon responsable ce qui revenait à certains parmi eux, de faire pour pouvoir être en conformité ou créer d'autres partis, puisque le système partisan que tout le monde, tous les acteurs politiques ont apprécié, ont accepté, était en effet sur la bonne voie et cela devait aller jusqu'au bout. Aucun parti politique, aucun acteur politique dans ce pays n'a refusé le système partisan. Et pourquoi on pense aujourd'hui qu'on ne va pas se conformer? Moi, je voudrais, nous voudrions d'abord commencer par remercier nos responsables au niveau de l'Union progressiste qui, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Orden Aladati, ont refusé de dormir
et on travaille inlassablement pour que nous ne soyons pas aujourd'hui dans le cas peut-être que mes amis en face sont aujourd'hui, et il a précisé l'honorable Orden Aladati, vu malgré l'âge du président Bruno Amoussou, il passe des nuits blanches, debout, assis, hein, pour que nous puissions travailler, aller au bout de ce que le ministère de l'Intérieur avait demandé et travailler inlassablement, il faut le préciser. Et il est également à préciser que pour avoir un parti politique ou pour créer un parti politique au Bénin, ce n'est pas une chose d'une vendeuse d'Akassa au bord de la voie ou une vendeuse de tomates quelque part ou une chose d'un mécanicien. C'est créer un parti politique, vous devez avoir des prédispositions et avoir au sein de votre parti politique un certain nombre de gens qui doivent travailler, qui doivent veiller à ce que l'application de la loi soit une chose effective. Aujourd'hui, si nous nous mettons de côté tous ces éléments-là et on pense que une course à la montre vient à la veille, du tout pas. De façon délibérée, les gens ont voulu se retrouver dans cette position-là et qu'ils vont se mettre à dire que nous sommes des victimes, du tout pas. Jusque-là, je pense que personne n'est exclu et que jusqu'au 16 mars, normalement, 16 mars, ce n'est pas le 17, 16 mars, les partis qui veulent se conformer aux exigences de la nouvelle charte des partis politiques ont encore la chance de se conformer parce que la vie de notre nation, de notre démocratie, continue d'exister. Et peut-être quand ils vont se conformer. Mais, tel que l'a précisé l'article 56, alinéa 2 de notre charte, après ces 6 mois, après le 17 mars prochain, ces anciens partis-là qui ne vont pas se conformer n'existeront simplement plus. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Dit peut-être ici, personne, aucun parti de la mouvance ou peut-être de la majorité présidentielle n'est pas là pour dire nous nous substituons en droit ou des institutions qui doivent faire appliquer la loi. Du tout pas. Personne ne dira ici, voilà, on garantit quoi que ce soit si quelqu'un est en règle vis-à-vis de la loi. Il n'y a pas de souci, nous sommes en démocratie, il verra ses avantages devant lui, mais s'il n'est pas, quitte vis-à-vis de la loi, il verra également les différentes interventions que cela appelle, et il aura ça à sa tête. Ce que je demande simplement, c'est de travailler, puisque ce n'est pas aujourd'hui. Depuis longtemps, on a vu la légèreté, et c'est ce qui continue au sein des formations politiques. On pense qu'on va prendre tout le temps, oui, on va prendre tout le temps à aller faire ci ou ça. Il faut accuser peut-être vos responsables politiques au lieu de venir sur les plateaux de télévision dire que le ministre Saka a fait ci, le président a fait ci, ainsi de suite. Les gens ont voté la loi. Merci. Actuellement, il faut l'appliquer. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Monsieur Faville. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Ojo. Moi, je voudrais commencer par un adage qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre. » Qui veut la paix, prépare la guerre. Depuis le 21 passé, je me suis posé la question si M. Saka et ses blocs qui seront bloqués tout à l'heure se sentent inspirés et par cet adage-là, puisqu'ils ont voulu inciter le peuple à la violence. Ils ont voulu amener la population à la révolte. Comment comprendre que dans un état de droit, dans un état démocrate, il peut y avoir une élection sans l'opposition? Vaut mieux nommer les députés au palais de la République et non d'organiser les élections. En ce qui concerne les observations faites par M. Saka, je dis M. Saka parce que si on était dans un état normal, il devrait démissionner. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi qui l'a dit. Donc, voir ces observations. Je prends le cas de USL. On dit le président Adjavan a été condamné de 20 ans d'emprisonnement, alors que son casier judiciaire est vierge. Ça, c'est la politique de la ruse et de la rage. Comment on peut arracher les moyens? Parce que c'est un moyen, les élections, c'est un moyen pour la population de sanctionner, de dire non, on ne veut pas ça.
et on nous arrache cette opportunité. On ne peut pas accepter. Si j'ai bon souvenir, c'est ma grand-mère qui nous disait « Vous pouvez tout me faire, mais ne touchez pas à mes deux béquilles. » Je crois que M. Saka Alafia et ses blocs veulent toucher le béquille de la population et nous sommes prêts. Ce dimanche 24 février 2019, l'incontournable Michel Favi, j'ai dit. Alors, Monsieur Ader Dosso. Je pensais qu'il était au milieu. Oui, Monsieur Mille, allez-y. Je remercie les amis qui se sont prononcés tout à l'heure sur la situation. Mon ardent souhait, c'est que l'opposition puisse avoir cette chance-là pour participer au combat. Parce que je vois qu'ils sont trop confiants d'eux. Ils sont trop confiants d'eux. Bon, le peuple avec nous, mon souhait ardent, c'est qu'on fasse le combat. On est sur le terrain réellement pour faire le combat. Mais il y a un adage qui dit chez moi, dans ma langue, on dit « Nous, il y a un camp, on a nos camps, ouais. » Vous comprenez un peu ce qu'il dit ?« Nous, il y a un camp, on a nos camps, ouais. » Ça veut dire quoi ? Mes amis, si on est jeune, Constantin, je le connais bien, c'est un jeune. Pourquoi vous voulez toujours faire la promotion de la médiocrité ? Vous avez la chance d'aller à l'école. Vous êtes un homme de lettres. Vous savez lire entre les lignes et les interlignes. Mais lorsque vous êtes dans un parti politique, c'est que vous devez pouvoir anticiper sur les choses. Je parle bien le sens de l'anticipation. C'est ce que les gens ont fait dans ce pays-ci. Lorsqu'on a parlé de la LEPI, on a demandé aux gens d'aller s'enregistrer. Au premier abord, les gens ont refusé. Mais à la fin, ils ont été surpris. Ils ont commencé à dire aux gens d'aller se faire enregistrer. Le vin est tiré, il reste seulement qu'à boire. Et tout ce que vous avez à faire simplement, c'est quoi? C'est de demander pardon. C'est-à-dire, faire le pardon au niveau de la Sénat, ou si c'est possible, sont d'accord, de prolonger peut-être ta date. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, elle demeure la loi. Donc ne demandez pas aux autres de dire c'est, ça dépend de l'actif ou bien si ça. Non. Il faut assumer la responsabilité. Un homme assume sa responsabilité. Lorsque vous n'arrivez pas à respecter ce qu'on vous demande de faire, acceptez que c'est votre faute. Cherchez un moyen de sortie que de vouloir utiliser le peuple, manipuler le peuple pour dire « Ah non, ils ne veulent pas qu'on pétisse, non. » Quand vous êtes un politicien, ça veut dire que vous devez avoir, comme vous avez dit, le sens de l'anticipation. Vous étiez où? Quand l'Union progressiste, les républicains, les autres là, ils faisaient tout ça là. Je peux vous dire une chose. Laurent Bonnardi n'a pas bien expliqué cette partie-là. On a été relancé deux fois pour le bloc progressiste. Si je suis ici actuellement, là, c'est à cause de l'émission, sinon je suis en train de travailler encore. Sur quoi? Sur les dossiers de quoi? De candidature. Je parie que même si aujourd'hui on vous donne le papier, vous vous dites d'aller, là, on va rejeter encore vos dossiers parce que vous ne vous préparez pas du tout. C'est ça le problème qui se pose. Ce n'est pas les paroles mielleuses. Non, ce n'est pas ça. Parce que sur les chaînes de télévision incitent à la violence, non. Nous sommes ici jeunes aussi. Sortez, on va sortir, on va voir aussi. Non. Si vous voulez. Il n'y aura pas ça. C'est pourquoi je demande. Merci. Alors, non, c'est pour dire quoi? Nous allons. C'est pour dire quoi, si vous permettez, cher ami Audio. Oui. Mon ami d'en face, à côté, disait que nous sommes de mauvais démocrates. Un bon démocrate, c'est celui qui respecte les lois. Merci. Vous êtes d'accord? Merci. Un bon démocrate, c'est celui qui respecte les lois et l'applique. Ils n'ont pas appliqué la loi. Et la loi s'impose à eux. Merci. Et les mauvais démocrates. Merci. Alors, vous avez constaté que. Comme on le dit, la violence s'appelle la violence. Nous sommes sur une chaîne de télévision. Les esprits s'échauffent, oui, on comprend. Les enjeux sont électoraux, ce sont des enjeux majeurs. Mais faisons en sorte que nous ne tenions pas des propos qui pourront être qualifiés d'insurrectionnels, parce que même sur une chaîne de télévision, nul n'est au-dessus de la loi, y compris nous aussi qui vous recevons. Si vous voulez que nous puissions être en mesure de continuer à vous recevoir, à laisser s'exprimer tous les courants politiques, toutes les pensées, il faut nous aider avec des propos vraiment pacifiques. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Ojo. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire à mon cher ami qui vient de parler qu'on ne peut pas demander pardon pour participer à une élection. Une élection, c'est un droit. Et tout le monde a ce droit-là.
que ce soit les mouvanciers ou les opposants. Que vous souvienne qu'il y a deux semaines passées, nous étions sur ce même plateau, nous avons parlé des élections législatives, les conditions d'un scrutin apaisé. Et nous avons invité des députés qui ont quand même donné leur point de vue par rapport à ça. Je pense que ce jour-là, nous avons beaucoup misé sur l'article 242 qui a fait beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, on parle maintenant des partis politiques qui ont été disqualifiés. Vous voyez que au niveau de ces deux thèmes, on ne peut pas parler d'une élection apaisée et disqualifiée, ceux-là même qui constituent des challengers pour une compétition. Donc, je voudrais dire ce qui étonne et ce qui fuse le cœur de beaucoup de Béninois aujourd'hui, c'est surtout par rapport au fait que le ministre même, je veux bien parler de Saka Lafia, qui est compétent jusqu'à présent, a confirmé ou bien a accordé ce certificat de conformité aux partis qui participent aux élections, il fait partie des membres du bloc présidentiel. Je crois que dans un pays qui se respecte, on ne doit pas assister à ça. Soyons sincères et dites-nous la vérité. La vérité, elle blesse, mais il faut qu'on ait le courage de la dire. Tu es ministre et c'est toi qui as le privilège ou tu es compétent à délivrer un certificat de conformité, mais tu fais partie encore des blocs de la majorité. Vous voyez que ça, là, déjà, lorsqu'un Béninois qui n'a jamais été à l'école et qu'on lui dit ça, dans sa tête, déjà, c'est qu'on veut bloquer les opposants à participer aux élections. Vous voyez ça? Et donc, ce que moi, je vais dire à tout le monde et au peuple béninois, le Bénin est un et indivisible. Nous voulons la paix dans notre pays. Moi, je n'ai pas deux nationalités, monsieur Odjo. Je n'ai pas de nationalité. Je n'ai jamais même voyagé, je n'ai jamais pris de l'avion. Ça veut dire quoi? Quand ça va commencer aujourd'hui, je ne sais pas où aller. Je demande pardon. Pardon à tout le monde. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, on permet aux opposants aussi de participer pour qu'à la fin, on puisse se serrer la main et voir la suite. Alors, je vous remercie. Merci. Je pense qu'il a essayé de ramener le calme dans le studio, avec des propos moins violents, beaucoup plus pacifiques. Nous souhaiterions que pour les quelques 15 minutes que nous avons encore pour finir cette émission, que les autres interventions puissent aller dans ce sens. De toutes les façons, quand on va enregistrer la dernière intervention du public, les invités autour du plateau central n'auront qu'à parler des conditions pour la préservation de la paix dans ce contexte électoral un peu tendu. Monsieur Ader Dossou. Oui, merci. Ader Dossou, je suis membre de l'Union progressiste. Avant de continuer, je voudrais remercier celui qui m'a précédé, qui a fini par demander pardon, même si ce n'est pas pour participer aux élections. Et continuer donc en lui disant que le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, avant d'être ministre, était d'abord politicien et que le poste de ministre est un poste politique. Merci donc aux représentants de la mouvance et à ceux de l'opposition pour cette occasion qui nous permet de parler, d'éclairer nos concitoyens par rapport à tout ce qui a dit. Je voudrais surtout dire merci à l'honorable Ordène Aladati par rapport à ce cours de droit magistralement administré à ces jeunes d'en face par rapport à ces méthodes qui font partie du basique pour ce qui est donc de la constitution, des partis, de tout ce qui est vie associative. Je commence d'abord par dire à toute l'opposition que le Bénin que nous avons aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'en hériter de nos ancêtres, mais que nous l'empruntons d'une certaine manière aux générations qui viennent. En tant que tel, le modèle démocratique que nous avons hérité de nos pères à la conférence démocratique, nous devons de l'améliorer et de le parfaire de manière à ce que nos enfants qui viennent après nous puissent avoir un meilleur modèle démocratique. Je dis tout cela seulement parce que la campagne de victimisation et les menaces auxquelles nous assistons tous azimuts ces derniers jours ne sont à mon sens que le symbole d'un syndrome dont notre pays a toujours souffert depuis les indépendances et qui nous a maintenus dans l'immobilisme. Tout se passe un peu chez nous, tout comme si les lois, les textes ne sont pertinents, ne sont utiles que lorsqu'il s'agit de les voter. Mais quand vient le moment de les appliquer, on est prêt à trouver mille et une raisons qui n'ont rien, mais absolument rien alors à voir avec l'essentiel, ce qui relève de l'intérêt
générale. Vous voyez que des gens et des partis politiques, qu'ils soient en quête du certificat de conformité, et que le procès verbal qu'ils produisent dans ce processus-là soit d'abord en parfaite disharmonie avec leur test à eux-mêmes, et qu'ils viennent sur la place publique réclamer à corps et à cri que la loi qui par essence est d'abord du ressort du bon sens puisse valider cela. Cela pose un problème. Que des gens qui ne sont pas prêts à respecter la loi pour ce qui est de la conformité en viennent à, au nom de cette même loi, réclamer à corps et à cri leur participation aux élections contre vents et marées, je dis qu'il y a un problème. Que des gens s'en prennent à des institutions de la République qui sont en réalité des personnes, ou bien qui, au sein desquelles nous avons des personnes qui ont été élues sur la base des lois, je dis que ça pose un problème. À la vérité, la participation ou non de l'opposition aux élections à venir ne dépend, de mon point de vue, que de l'opposition elle-même. Je n'en veux pour preuve que ce que le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique est en train de se plier en quatre pour faire le travail comme cela se doit. Les institutions de la République que nous avons n'ont pas changé d'hier à aujourd'hui. Et pour autant que nous avons des hommes qui ont des colorations qui sont au niveau de ces partis aujourd'hui, il en avait toujours été autant hier. Mais pour autant, hier, on a appelé à respecter ces institutions. Pourquoi ne peut-il pas en être de la même façon aujourd'hui? Je dirais pour finir, pour autant que la démocratie doit pouvoir rimer avec dialogue et avec consensus, elle doit rester respect des tests que nous nous sommes donnés librement. Ah, monsieur Faton, je veux poser juste une question. Est-ce que l'appartenance à l'opposition doit être un visa pour participer aux élections envers et contre tous les tests de la République? L'eau, l'électricité, les hôpitaux, les routes, voilà ce qui témoigne aujourd'hui pour tous ceux qui ont envie de voir de où et de comment l'argent de notre État qui est en train d'être mieux dépensé est en train d'être investi aujourd'hui. Tout le monde peut choisir. Nous ne sommes pas obligés de voir, nous ne sommes pas obligés d'entendre. Mais je dis, pour autant que vous avez choisi de ne voir que le doigt qui indique la direction, ne croyez pas que le peuple est en train de ne pas voir cette direction. Et les élections vont venir. Nous aurons le temps de savoir si oui ou non, il n'y a que vous qui dites la vérité. Merci. Merci. Alors, on revient à nos invités du plateau central. C'est pour la conclusion. Et ce que nous aurions souhaité, c'est que chaque conclusion puisse être axée sur ce qu'il faut faire dans ce contexte actuel tendu, visiblement tendu, pour préserver la paix et la cohésion sociale. Alassane Sané. D'abord, Delors, Laura Faton, on commence par vos quelques réactions. Vous avez été interpellé d'une manière ou d'une autre par le public. Justement. Et dites-nous votre conclusion et les perspectives, certainement, pour une élection apaisée. Je ne répondrai pas à la dernière intervention. Celui qui m'a interpellé, je ne lui répondrai pas. Parce qu'on a la réponse, c'est plus bien qu'on a la réponse. Je ne vais pas y répondre. Par contre, je vais rectifier quelque chose qui a été dit depuis le début par l'honorable Ordan Alatin, que M. Koukouaki Boga a répété. Est-ce que vous êtes dans nos QG ou dans nos sièges respectifs pour savoir le travail que nous avons fait pour répondre aux injonctions du ministère de l'Intérieur, pour nous dire que nous ne faisons rien et qu'au lieu de nous préoccuper de la mise en conformité de nos partis politiques, nous faisons autre chose. Et vous ne nommez jamais ce que nous faisions. J'aurais voulu que vous sachiez une chose, chacun de vous. Nous avons au sein des FCBE une commission spéciale juridique qui fait le boulot en ce qui concerne notre conformité. Et les gens travaillent de jour comme de nuit. Alors ne vous arrogez pas ce privilège et personne ne sait si vous avez fait ce travail ou pas. Mais ce qui est sûr et très sûr est que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui est dans le processus d'organisation des élections au Bénin. Il est impliqué dans le processus, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui. Mais l'article 14 a bien précisé que tous ceux qui sont impliqués dans le processus ne peuvent pas être membres fondateurs d'un parti politique. Mais il est membre fondateur du parti progressiste. Et pourtant, on n'a trouvé rien à dire. Ce débat, on ne va pas le faire. Tout le monde sait que c'est la mauvaise foi qui a toujours été à l'œuvre à ce jour.
quelqu'un d'autre a demandé et je pense que... Non, monsieur Faton, oui, vous n'aurez pas le temps. Non, en raison du peu de temps qu'il nous reste, essayez de faire une conclusion. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les interpellations du public. Oui, c'est bon. C'est vous qui avez demandé ça. C'est à dessein que j'ai déjà dit je ne répondrai pas à l'autre intervention. Mais vous avez commencé par répondre aux questions, vous répondez au public... dans l'ordre de l'intervention, on ne pourra pas quitter ici ce soir. Vous savez, j'ai aimé l'intervention de mon ami de l'opposition tout à l'heure qui a dit que lui n'a jamais voyagé. Mais avant lui, il y a des chanteurs béninois qui ont toujours dit en langue fond, Rwanda tu me fais béria. Il n'y aura pas la guerre ici. Si quelqu'un pense qu'il y aura la guerre, il n'y en aura pas. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont nos ancêtres qui l'ont dit. Et les chanteurs l'ont répété. Et c'est devenu une tradition au Bénin. Et vous savez, c'est ce que je ne comprends pas. C'est comme s'il y a une habitude qu'on a de perdre au Bénin. Chaque fois qu'il y a une élection législative qui s'approche, bien l'élection qui s'approche, les médias ont joué toujours un rôle où il y a des musiques qu'on commence pas à jouer à des époques pour adoucir les tensions. Et ça a été une tradition. Mais cette fois-ci, je ne vois pas ces musiques, ces médias jouer ces musiques. Nous les connaissons, les viviers internationaux et autres, pour commencer par apaiser. Parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait tension ou pas, les échéances électorales ont toujours été échéances de tension partout au monde entier et au Bénin en particulier. C'est-à-dire que cette dynamique a toujours existé et existera toujours. J'aurais voulu que, contrairement à ce qu'on observe, que les médias commencent par jouer le jeu et apaiser la tension populaire qui ne compte pas monter. Parce que de jour en jour, ça monte et personne ne sait là où ça nous conduit. Mais ce qui est sûr, moi je crois en la parole de nos ancêtres, je crois en ce que les chanteurs émérites ont fait dans ce pays. Il n'y aura pas la guerre. Et la guerre n'existera jamais. Merci. Tout se passera et nous allons faire les élections de manière apaisée. Et je dis, il n'y aura pas d'élection sans nous. Mais elles seront apaisées dans ce pays. Voilà. Abdoulaye Gounou, ne vous en faites pas. Hein. Vous aurez le temps de dire ce que vous avez envie de dire. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ordène à la Dati. Merci. S'il vous plaît, dans le public. J'apprécie la foi de mon ami. C'est ce qu'il faut faire. Vous avez déposé un dossier de conformité, vous avez dit. Je pense que c'est mieux que les invectives. C'est ce qu'il faut faire dans un état de droit et en démocratie. Je croise les doigts avec vous pour que vous puissiez avoir cette conformité. Mais la nuance, c'est que les gens sont faits de l'amalgame entre conformité. Je l'ai expliqué. Les nouveaux partis ont déposé des demandes pour avoir leur récépissé. Ceux qui sont des anciens partis, comment la Sénat fait-elle pour savoir qu'un ancien parti s'est conformé ou pas? C'est le problème auquel veut répondre le certificat de conformité. Qu'on ne dise plus à l'opinion que c'est une nouvelle pièce. Eux autres, ils ont fait les demandes de conformité. À supposer qu'il y a un ancien parti qui n'ait pas fait ça et qui, avec son ancien récépissé, va se présenter à la Sénat pour aller aux élections. Comment on fait? C'est pour ça qu'il faut expliquer. Ce n'est même pas du fétichisme là-dessus. Le ministre de l'Intérieur est dans une activité courante de création de partis politiques. C'est sa vocation. Et les ministres sont des politiques. Pourquoi les gens se sont dérangés que le ministre de l'Intérieur soit un homme politique? Ne dites pas ça aux populations. Le ministre Saka Lafia est un homme politique. Il a été toujours président de partis politiques. Et son parti UDS, d'accord, s'est fondu avec d'autres pour créer l'union progressiste. Et ce n'est pas eux qui vont le faire démissionner de là. C'est un politique. Mais il est dans un rôle administratif par rapport à la constitution de partis politiques. Il n'est pas dans une mission électorale. Ne faites plus cet amalgame. La loi dit que ceux qui sont dans le processus électoral ne peuvent pas. Mais Saka Lafia n'est pas dans le processus électoral. Il est dans le processus de création des partis politiques. Et ça vivra après les élections. Si vous vous conformez aujourd'hui, vous l'aurez aujourd'hui. Sinon, demain, vous vous conformerez, vous l'aurez. C'est cela qu'il faut savoir. Pour finir, je dis, notre pays est un pays de paix. Hier, nous n'avions nulle part où aller non plus. C'est pour ça que nous avons tout fait. Je voulais simplement dire que nous ne permettrons personne à mettre ce pays à feu et à sang. Vous savez qui a dit ça. On ne permettra à personne de mettre ce pays à feu et à sang. Et nous ne permettrons à personne de bondir sur le peuple. Merci. Constantin Amoussou. Merci bien. Et quelques points sur lesquels me plaisait de venir avant de conclure. Je vais être bref, aller vite.
rappeler sur le premier point que lorsque l'honorable Gounou intervenait sur les éléments de droit concernant la, disons, la condamnation à une peine infamante, j'ai pensé que j'avais, il m'a semblé qu'il était un homme de droit, un homme de droit en face de moi, et je l'ai entendu dire, je l'ai entendu dire que nous étions en matière pénale. Et il sait très bien que c'était presque un pléonasme, parce que lorsque l'on parle de casier judiciaire, on est forcément en matière pénale. Ensuite, relever là-dessus que quand il a fait son développement, je me suis attendu à le voir aboutir, mais j'ai constaté qu'il s'est arrêté quelque part en chemin. Parce qu'il est essentiel de me dire si on peut avoir son casier judiciaire vierge et cependant se faire désigner ou indexer par un ministère comme étant une personne sous le coup d'une condamnation. C'est surprenant de la part d'un élu qui plus est un enseignant de droit tel qu'il se présente. Deuxièmement, relever à l'attention de l'honorable Orden Aladati au moins deux choses. En ce qui concerne le vice-président de son parti qui se trouve être en même temps le ministre de l'Intérieur, dans un processus de réforme et de création de partis politiques dont lui-même, sa formation politique est partie prenante, le voyant et le faisant trouver tout à la fois comme juge de parti, et en droit, il y a deux mots pour parler de ça, deux expressions, délit d'initié et conflit d'intérêts. Et en ce moment, M. Saka Lafia et avec lui, M. Denis Alati et tous les membres de l'Union progressiste sont en train de baigner profondément en plein conflit d'intérêts et en délit d'initié. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est cela justement qui fait et qui devra continuer de faire que l'on ne croit pas à la sincérité du processus que vous êtes en train de conduire et à nous amener à nous interroger sur les motivations réelles qui sont à l'origine de l'exclusion programmée des partis de l'opposition. Fini en rappelant sur le point qu'il relève que j'ai bien observé que l'Union sociale libérale, tout à la fois sur la question de son président d'honneur, mais également sur la question de la conformité au niveau des membres fondateurs, avait été relevée. Mais j'ai rappelé que là-dessus, il faut se référer aussi au parti du renouveau démocratique. Mais quand il a commencé à faire son explication, j'ai pensé que je comprendais quelque chose, mais personne n'a rien compris quand il a terminé, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le PRD est exactement dans le même cas que l'Union sociale libérale. Le PRD n'a pas procédé à la dissolution de son parti. Le PRD a eu certificat de conformité. Dernièrement, sur l'appel qui me plaît de lancer en direction des acteurs engagés dans le processus électoral, rappelez à chacun, nous, au sein de l'Union sociale libérale, nous ne sommes pas vocation un parti de paix. Nous ne sommes pas vocation un parti humaniste. Nous ne sommes pas vocation un parti qui veut construire un environnement dans lequel les citoyens du Bénin, du nord au sud, dans la solidarité, puissent travailler, dans l'unité, dans la cordialité pour construire la démocratie. Nous sommes un parti d'avenir. Nous sommes un parti qui veut que des jeunes gens comme moi, comme Faton, comme beaucoup d'autres jeunes, comme Kamabalo, que des jeunes gens soient désormais vos vis-à-vis à l'Assemblée nationale, pour ne pas paraître simplement comme des gens qui viennent parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'eux aussi, ils ont quelque chose à faire valoir. Quand on a un projet comme cela, on ne veut pas être dans un pays de guerre. On veut travailler, on veut avoir la possibilité d'être présent. Et donc, ça, c'est ce que nous vous demandons, et c'est notre droit. Donc, nous voudrions que le chef de l'État, nous voudrions que les personnes engagées dans le processus électoral, nous voudrions que les acteurs, que le ministre de l'Intérieur qui répond au chef de l'État, sache se rappeler que lorsqu'il fait des notifications à des partis et qu'il mette en observation tout ce qu'il a relevé, et c'est ça que nos braves amis, et c'est grave que des jeunes le fassent, parce que j'ai compris qu'on a développé de la sournoiserie parmi nos aînés, et j'ai pensé que les jeunes donneraient la différence. Mais toutes les personnes que j'ai vues intervenir dans le public du côté de la mouvance... Vous savez que vous êtes dans la conclusion, mais ah oui, Constantin, je les ai entendu dire. Il les a entendu dire ou laisser entendre que nous voulions ne pas respecter la loi. Et pourtant, c'est eux qui ont créé les conditions de conformité. Et pourtant, bon. C'est eux. Je voudrais m'éviter de vous interrompre. Là, je suis vraiment désolé. Tous les téléspectateurs sont témoins. Bon, finissez enfin. J'ai fini dessus en disant que s'il y avait des acteurs qui refusent le respect de la loi, c'est bien ceux de la mouvance. Et dire que nous souhaitons qu'il se ravise pour que le Bénin soit encore le modèle de démocratie qu'il a toujours été dans le monde. Merci pour votre attention. Abdoulaye Gounou,
Alors oui, bien sûr, non, je sais ce que vous voulez dire. Vous savez, ce n'est pas la même génération. Quand quelqu'un parle de droit, et puis, ça peut être le droit. Ce n'est pas la même perception des faits. C'est écœur. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. C'est écœur. Donc, Ablaï Gounou, c'est vous qui intervenez en dernière position. Vous avez la parole. Je pense que nous allons devoir vous laisser dire tout ce que vous avez envie de dire. Parce que là, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bon, je vous remercie. Je voulais d'abord relever, il m'a indexé là de façon ostentatoire et très discutoire. C'est pas bien. Ça, c'est pas ça un débat. D'accord? Si M. Adjavon était au procès, aussitôt après la condamnation, il aurait été immédiatement en prison. Est-ce que vous le savez? Dès lors que vous êtes condamné, vous quittez le banc des accusés, c'est pour aller droit en prison. Si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, on ne vous laisse même pas rentrer d'abord chez vous avant d'être exécutoire à l'emprisonnement. Donc, c'est-à-dire que s'il était là, on aurait dit, bon, attendez. Donc, tous ceux que les cours d'assises ont condamnés, les cours d'exception, on les laisse entrer d'abord chez eux. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, enfin, cher ami. C'était ça. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. C'est justement pour ça qu'il n'est pas rentré. Et je l'ai suivi sur RFI, je l'ai suivi partout. Je vous disais que je ne voulais pas dire certaines choses. Vous obligez mes gens à le dire. Il allait droit en prison. Sans aucune forme de procédure, ensuite d'autres. Parce que condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Ensuite, j'ai appris qu'il y a un cahier judiciaire vierge. J'ai dit, mais quel magistrat a pu signer ça? J'ai tiqué. Quel magistrat a pu signer ça? À quelles conditions et comment? J'ai tiqué. Ne nous oubliez pas à dire certaines choses. Et ça, ma curiosité me pousse à chercher cela et à comprendre. Quelqu'un qui est condamné par une juridiction d'exception. Donc vous voulez dire que la décision de la criette n'a pas autorité d'être jugée? Je suis d'accord avec lui. Pourquoi dire certaines choses? Quel magistrat a pu signer? Je veux savoir ça. Pour finir, pour revenir à mon mot de fin, je voudrais dire que le ministre de l'Intérieur est avant et après tout un ministre qui a ses attributions dévolues par la loi, donc le décret qui le nomme. Le décret pourtant AOF. Ordonne l'a expliqué en long et en large. Mais qui d'autre vous voulez? On dit, mais pourquoi le ministre est membre de... Vous voulez qui d'autre? La Sénat pour jouer son rôle? Le chef de l'État pour jouer son rôle? Ou bien un député de l'opposition pour jouer son rôle? Dès lors que c'est pas... Mais il faut quelqu'un pour le faire. Il se fait que pour l'instant, celui qui incarne ce rôle-là est Sakalafia. C'est lui. Et c'est cela relève de l'attribution de l'exécutif. C'est le pouvoir exécutif, qu'on le veuille ou non. Que ce soit sous l'ancien régime, sous le régime à venir, attendez d'être au pouvoir, et quand c'est le pouvoir, dépouiller votre ministre de l'Intérieur. Vous oubliez la guerre de la RB. Sous Taouema, vous avez oublié la guerre. Entre Nathaniel Bah et, bon, évidemment, vous avez oublié. C'était Taouema qu'on accusait. Classiquement, le ministre de l'Intérieur a toujours été le ministre qui gère la vie associative. C'est comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça demain. Et enfin, je dirais, faisons confiance à nos institutions. Quelqu'un qui a mis la Sénat actuelle en place, il a suivi encore en train de suspecter la Sénat. Quelqu'un qui a mis la Sénat actuelle en place, c'est sous lui qu'on a mis la Sénat. Hein. C'est sa Sénat à lui. Mais parce qu'il n'est plus là, eh bien la Sénat est devenue du coup suspecte. Donc, je vous en prie, faisons confiance à nos institutions. Merci. Faisons confiance au ministre Sakalafia. Faisons confiance à la Sénat, à la Cour constitutionnelle. Il n'y a que ça pour avoir les élections apaisées. Merci. Et je dirais, et c'est la fin. Au vu de ce qui se passe là, oui, un grand merci à l'équipe de jeunes que Abim Bola a mis en place au siège du Bloc républicain. Ces jeunes, je vous le dis, ils sont encore là. Alors je vous c'est parle. Une dédicace. Ils passent les nuits blanches à travailler. Faites comme nous.
imitez-nous, travaillez. Merci. Alors, Abdel Gounou Salifou, vous allez passer au service commercial. C'est une dédicace que vous venez de faire à ces jeunes et à l'honorable Jean-Michel Adibola. Merci, c'est terminé pour cette émission que nous avons consacrée à l'actualité électorale, surtout la situation d'un certain nombre de partis politiques qui, jusque-là, ne sont pas encore en possession du certificat de conformité et qui ne savent pas encore s'ils pourront participer ou non aux prochaines élections. Ce qui est sûr, vous avez suivi les représentants de l'opposition sur ce plateau. L'opposition veut participer aux élections et l'opposition fera tout ce qui est en son pouvoir et tout ce qui relève de ses devoirs pour être au rendez-vous du scrutin législatif du 28 avril 2019. Voilà. Et vous avez eu le temps de, le constater. Les esprits s'y sont échauffés, ça se comprend. Nous sommes en matière électorale, il y a souvent des tensions. L'essentiel à ne pas oublier, c'est le Bénin. Et la paix doit régner en tout temps et en tout lieu. Merci d'avoir pris du plaisir à suivre cette émission. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Golf TV Africa et Golf FM Africa. Portez-vous bien.